Néreux. Non, mais 87. Elle dit pas 87. RSP 10, 51, j'ai 22 et. Mais RSP 87, le vrai. Mon lieutenant. Ouais, et... ouais. On fait plus les suivis à Amand. RSP 21. Pour le moment, ça sert à rien, personne s'en occupe. Mais je l'ai déjà fait. Ok. RSP. Ça marche. Ouais, redéso, c'est. Je sais pas, l'OBS, c'est une mémoire, ça vient de la Le truc avec le Doge. Comment? Oui, c'est ça. Le R-Table avec le Doge. C'est ça. Yes. Ok. 87 EMS. 87? Oui. Il demande dans la journée, je vous enverrai un mail. Plus tard dans la journée? Très bien. Le même genre de mail que j'ai envoyé à 47 tout à l'heure, il a découvert les fins fonds du plaisir. Ah, pour ça. Vous étiez dans une maison close? Une V2. En quelque sorte. D'accord. Vous savez les rapports, tout ça? J'arrive. Ouais. Bah, dites-vous que je suis en train de préparer un site web pour ça. Très bien. Lieutenant, j'ai besoin de vous à l'entrée. Oh non, hein. C'est pour qui? C'est pour les maras là? Ouais. Moi, oh, je vais leur chier dessus. Allez, mais respect, mon lieutenant. Oh. Bon, allez, on part en patrouille. On va dire que. Attendez. Ils ont menacé de mort 22. Ils ont menacé quoi? De mort 22. Ils ont dit soit il vient s'excuser, soit ça va chier, ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'il aura fait, mais. Ils sont pas contents après 22. On va leur demander ce qu'il a fait déjà. Bah oui. Sans savoir, et puis après je leur chier dessus. Mmh, mmh, mmh. Pas pour donc ouais, je ferai le rapport demain si ça vous dérange pas. Oh, non, ça m'en fait, je lui ai rendu, je lui ai précisé qu'il devait toujours avoir son ordonnance sur lui, de toute façon on vérifiera. Oh, de toute façon, si ça va être très drôle quand j'ai demandé à un médecin de venir témoigner à la barre. Oui. J'ai demandé au procureur de demander à un médecin de venir témoigner à la barre par rapport à l'effet de la morphine. Ouais. Parce que je vais pas vous mentir, hein, la morphine, ça floue énormément la capacité cognitive. Hein. On est d'accord. Pas la capacité motrice. Oui, c'est ce que je vérifiais dans mon. Oula, vous avez l'air d'avoir un problème là. Ça oui. M'agace là. Vous voulez que je vous aide? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Ouais, carrément, fais-le, ouais. S'il te plaît. Si, gracias. Alors, je vous aide pas plus parce que j'ai des problèmes. Ça m'agace. Oui, mais c'est ce que je vérifiais dans mes notes à la fin là. Mmh. Oui, bon, de toute façon. Mais ça va, oui. Non, mais. Bon, alors par contre, les roues devant le poste, on va peut-être éviter. Tranquillement. Ça va et vous? Monsieur tranquillement la... quoi? Ça va et vous? Ouais, moyen là. Monsieur avec la tresse là, on va éviter les roues devant le poste? Ouais. Bon, il y a un petit problème. Expliquez-moi ce qui vous a fait 22. T'as vu, avec la bonne foi que j'ai, on va régler ça, on va essayer de régler ça avec les paroles. Si ça marche pas, on va régler ça dans la cahier. Expliquez-moi ce qu'il a fait 22. Nous on a une religion, t'as sûrement une religion, ta sœur elle a une religion, d'accord? C'est-à-dire que quand moi j'ai un de mes ombres qui est en cellule et qui critique la Santa Muerte alors que c'est la religion de la Marabunta Grande et d'énormément de salvadoriens. Critiquer la Santa Muerte, c'est ce que ça veut dire ou pas? Oui, c'est cracher sur votre religion. Cracher sur notre religion, mais surtout sur notre ratus. Donc ça veut dire que s'il vient pas s'excuser carrément maintenant, je peux t'avertir, hein, ça va partir en couille. J'ai carrément pas envie parce que j'ai clairement pas le temps et pas les moyens, mais je te jure... Je suis prêt à faire crever tout mon barrio pour faire respecter la Santa Muerte, hein, je te préviens. Alors, je vais demander à Vano de venir s'excuser parce que c'est un non-respect du deuxième amendement de la Constitution. Par contre, je vais vous dire une chose. Ouais. C'est la dernière fois que vous menacez un de mes agents. D'accord, ben, c'est bien pris. Mais je continuerai à leur menacer si quelqu'un critique encore ma Santa Muerte, ma Niña Blanca, ma Santissima Muerte. 21 pour 22. Vous pouvez venir au niveau de l'accueil du poste de police, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous êtes avec moi? Vous, comme quoi vous n'avez pas le droit, je sais pas tout le coup, de juger des régions. Non, je sais pas. Oh, c'est la constitution des États-Unis seulement. C'est la constitution, monsieur. D'accord. D'où le fait que ma réaction est un peu plus abrupte. Mais par contre, oui, la prochaine fois que je vous entends menacer un de mes agents, vous savez comment ça se passe, hein? Oh, je sais très bien. Et tu sais, quand je menace quelqu'un, c'est pas des paroles en l'air, du coup, bah, je suis prêt à assumer, tu vois, rien à foutre. Je suis carrément quasiment à poil devant ton PDP là. 22? Si, je sais trop bien pourquoi on l'appelle. Ah, mais c'est un latino en plus. Est-ce que vous pouvez me rappeler quel est le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis? Négatif.
C'est le respect de chaque religion, quelle qu'elle soit. C'est. Vous savez ce que ça veut dire? C'est bien sûr. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? C'est bien sûr. Bah ouais, je pense qu'on attend. Seigneur et Seigneur Rital, donnez à m'excuser pour les propos qui ont été dits par rapport à votre religion. Moi-même étant croyant, mais pas de la même du coup. J'aurais pas aimé qu'on fasse de même temps. Encore désolé pour ces paroles. Bah allez, perfecto, ça me va. Là, on a réglé ça de manière cordiale, c'est très bien. De manière civilisée, c'est pas notre genre. Date, hein. Ouais, mais c'est pas notre genre de faire ça, surtout quand il s'agit de la Niña Blanca, tu vois. Ouais, mais vous voyez que ça marche aussi. Parfois, ouais. C'est bien aussi. C'est vrai. Vas-y, ça marche. Et ben, j'espère que ça se reproduira plus alors. On y veillera. On vous souhaite une bonne soirée, monsieur dame. Ouais, soirée. On se verra probablement tout à l'heure. Bonne soirée. Si. Attention à vous, il y a une dépanneuse qui arrive à fond. Oh là, grand-père. Vous pouvez retourner, vous étiez avec 47, c'est ça? Là j'étais en train de parler avec la sergent. Ah, autant pour moi. Pas de soucis. Ouais, bah, du coup, pour l'audire, j'ai répliqué à ça parce que on fait de même. Ouais, le fait est que malheureusement, ils ont pas les mêmes obligations que nous. Si, c'est sûr. J'ai fait juste que me défendre en tant que civil. Mais pas quand vous êtes en uniforme. C'est bien sûr. Après, quand vous êtes en uniforme, vous avez un pouvoir qu'ils n'ont pas, c'est d'augmenter les amendes. Si, bien sûr, c'est pour ça qu'il a pris 20 000 dollars. Quand vous avez des problèmes comme ça, si je suis dans le coin, appelez-moi, comme ça je leur qualifie d'effets supplémentaires. Si, ça marche. Sur des mots. Du coup, lieutenant, on est d'accord, oui, que la morphine n'altère pas les capacités motrices. Alors, elle les altère, cognitive. Mais de manière très légère vis-à-vis de la capacité cognitive, pour le coup, qui elle est quasiment inexistante. On est d'accord, vous êtes incapable de réfléchir aux morphines. Oui, vous êtes incapable de réfléchir, vous êtes incapable de répondre à de faire une phrase construite ou de faire une réponse construite. On est d'accord. Donc on va bien rigoler. Du coup, mes rapports, je les ferai demain. Ouh, je fais quoi problème. Je fais pas de rapport d'audition. Dans mes rapports d'arrestation, je lis les auditions. Ouais, c'est ça. Faites les rapports d'audition en amont. Je vous donnerai tout demain, j'espère demain matin si j'y pense. Comment? Oui, il se passe quoi ici là? On m'appelle l'anaconda. Mais respect, 03. Mais respect. Un petit brief pour 22. Excusez-moi. Non, on fait un petit brief pour 22 pour qu'ils finissent de valider des trucs de l'académie. Ah. Voilà. Il y en a des plus ici. Quel est le cinquième amendement de la Constitution des États-Unis, 22? Avec le gilet pare-balles 03, vous êtes impressionné. Oh là là, vous me posez une colle. Mais vous, c'est votre problème. Le droit au silence. Vous faites appel à votre cinquième amendement pour ne pas répondre à sa question. Vous dites, je plaide le cinquième. Non, certainement pas, non. Si. Ah non, bah alors là, non. Là, 20. Je vais devoir vous convoquer dans mon bureau. Je vais devoir vous convoquer dans mon bureau, là, ça va pas. On me pousse, là. Le cinquième amendement. Vous avez le droit de ne pas répondre à une question quoi. Oui, non, mais il y a des... C'est normal. C'est la possibilité de témoigner sur vous-même. 47. Soyez efficace ce soir et vous pouvez finir de valider votre académie. C'est bien sûr, il faut juste... Sinon, je vous mets des béquilles. C'est vu avec 47 et 87. Ce soir, ça peut être bon si vous travaillez dur, d'accord? C'est bien, c'est bien pris. Sinon, vous passerez dans mon bureau. Du balai. Allez, 22 là. Allez, go. C'est quoi cette histoire? 47. Oui. Vous demanderez à 87 de me faire un rapport détaillé sur 22. Un rapport détaillé sur 22, affirmatif. C'est juste pour casser les couilles à 87. Elle va revenir. Bah justement. Faut pas perdre les bonnes habitudes. Monsieur, on vous laisse tous les deux. Et là, oui. Et l'audition s'est bien passée. Monsieur Santor a été beaucoup plus conciliant, bizarrement. Ah ouais, je crois que dormir encore, sur une couchette, ça l'a un peu calmé ou pas? Moi, je pense qu'il a surtout compris que globalement j'en avais rien à foutre et que je pouvais le garder une demi-heure, revenir au bout de la demi-heure, lui refaire une audition, le relaisser une demi-heure, recommencer, et ça ad vitam aeternam. Je pense qu'il avait pas envie de passer sa vie au poste. Reste, même là où il a été plus conscient, ça reste une tête de con. Hein, oui, ça reste une tête de con. Hein. Ah bon? Et puis là, bon, il s'est cramé tout seul avec sa morphine. Oui, voilà, là il s'est baisé globalement. Morphine, ouais, il est sous morphine, soi-disant, sous prescription médicale. Donc ça, il faudra attendre 15 jours. Prescription ou pas? Bah ça, pour ça, il faudra attendre qu'un... Et il n'est pas obligé de nous la fournir. Pas la demander. Il faut attendre demander. Qu'un juge nous fournisse un mandat mais, pour ça. Le truc étant qu'il invoque le fait d'être, comment dire, pas lucide de façon motrice. Enfin, pas apte. Il maîtriserait pas ses faits et gestes sous morphine. Or, la morphine, oui, altère énormément vos capacités cognitives, pas vos capacités motrices. Et surtout vos capacités cognitives, il n'aurait pas été en état de répondre à une audition ou de quoi que ce soit. Si ou de ne pas répondre à certaines questions, par exemple. Tout à fait. Ouais, mais si les sous-morphines, ça peut pas. Comment dire? Alors, écoutez. Une position. Alors, ça pourrait. S'il y avait un vrai fait qu'il était sous-morphine, là, actuellement, je vous le dis clairement, sa morphine.
soit lui fait 4 heures qu'il est en cellule. Ça soit elle fait par défait, soit vraiment il met au point pour des blaireaux. Parce que vraiment, moi je vous dis, hein, quand vous êtes en train de pointer une arme sur un gars, ou vous avez votre arme de sortie sur un gars et vous me dites, je me souviens pas. Bah, vous savez, avec la morphine, mon corps fait des choses que bah, je calcule pas. Mais par contre, être capable de me dire derrière, bah si vous me le dites, c'est que ça doit être vrai. Oui, la photo montre que j'avais une arme sur moi, sinon j'aurais dit que non. Parce que je m'en souviens pas. Vous voyez ce que je veux dire, vous savez, vous voyez le droit au cinquième amendement qui est invoqué sur les questions où justement il y avait où il fallait pas qu'il réponde s'il voulait pas se mettre dans la merde. 10-20 au niveau de l'artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Et ça couplé à sa capacité hier à être une tête de con, littéralement, sous morphine. Et là, c'est assez drôle. Quoi. Non, attends, à quelle heure il est rentré en cellule? Par là. Donc ça fait 24 heures, on est d'accord, ouais, que la morphine, ça n'a plus d'effet. Non. Ça fait, honnêtement, je un vous peu dirais... moins de 24 heures. Ça fait un peu moins de 24 heures, mais globalement, même hier soir, il était clairement pas sous morphine. Ah oui, non, hier soir, il était très lucide. Hein. Non, quoi. Bon, écoutez... Globalement, ça va être drôle quand on va emmener en ça devant le juge et que j'ai demandé à monsieur le procureur de faire témoigner à un médecin des effets de la morphine. Oui, et qui va se ramasser la gueule. On est ouais, d'accord. C'est ça. Oui, parce que c'est okay. Ça que je vérifie à la fin. Hein. J'étais pas sûr, mais je revérifie. Je me suis dit, oh, ils ont une gueule, ouais. Ok. Bah écoutez, si vous voulez partir tous les deux, on vous laisse tous les deux. Et de toute façon, après, on va essayer de finir de former 22. Et comme ça, au moins, s'il peut passer au FIE, parce qu'il a l'air pas mal, donc au moins. À moins que vous voulez changer. Oh non, ça me va. Vous avez aimé ce que je vous ai envoyé, Vin, cet après-midi? J'ai adoré. Pourquoi vous me demandez? Vous le savez très bien. Je sais pas. Hein. Vous foutez de moi, lieutenant? J'invoque le cinquième amendement. Malin. Allez, le Lynx, on y va. Ouais. On est parti? Bah oui, vous conduisez. Oh. Je peux pas conduire. C'est pas grave. Celle-là, c'est... Je vais pas vous mentir. Je pourrais dans 2 mois, à peu près. Et là, pour le moment, je peux pas. Oh! Attendez, on va former une tango. Ça marche. Bon, c'est bon, on a trouvé notre pilote. On a trouvé notre pilote. Formidable. Mais respect, mon capitaine. Mais respect, mon capitaine. Je suis heureux de vous voir, mon capitaine. Par contre, peut-être que j'ai cherché mes dotations. Je connais la... La Constitution? Bah, j'en sais rien. Ouais. Mon capitaine, pareil, vous voulez être heureux, capitaine? Monsieur Zander, c'est niqué tout seul. Mais il était beaucoup plus conciliant qu'hier. Mais il s'est quand même niqué. Est-ce que ça m'étonne? Est-ce que, si je vous dis... Oui, je suis sous morphine, donc je contrôle pas mon corps. Par contre, je contrôle parfaitement mes réponses cognitives. Voilà. J'ai rien de plus à dire, capitaine. Ah oui, je sais parfaitement parler. Oui. Ah, ça va être rigolo, hein, quand je vais demander à monsieur le procureur de faire témoigner à la barre un médecin sur les effets de la morphine. Et voir comment il va défendre ça. Mais vous savez, j'ai plus de doses que les autres, vous pouvez pas comprendre. D'ailleurs, capitaine, je suis désolé, mais le gars de l'armurerie, là, il m'a dit qu'il y avait une SMG qui était partie à la poubelle parce qu'elle était mal entretenue. Le gars qui s'occupe de l'entretien, il a fait de la merde. Du coup, il nous manque une SMG. Vous en voulez une? Oui. Je vous en rachète tout de suite. Merci, capitaine. 30 000 Pff, ouais, je vous la paye s'il faut, capitaine. Ou SMG d'assaut. SMG. Voilà. Merci, capitaine. Vous venez de refaire ma vie, capitaine. Et je vous assure que c'était très très drôle. Hein. C'était vraiment hier et aujourd'hui deux ambiances. Hein. Il y a peut-être eu le temps de réfléchir. Vous lui avez montré les photos que je vous avais. Oh, oui, je lui en ai montré qu'une, hein, parce qu'il faut pas non plus lui en donner trop. De toute façon, c'était à peu près toutes les mêmes. Donc. Oh, il m'a racheté une. Let's go! Il m'a racheté une petite MP5 là. J'aime les MP5. J'ai qu'une seule chose à dire, capitaine. Quand vraiment il m'a parlé de sa morphine, j'ai eu envie de lui rire au nez. Je restais très calme, je n'ai rien dit. Par contre, à la fin, je lui ai démontré par A plus B qu'il venait de se couiller tout seul. Et après, je l'ai laissé partir. On pourra réfléchir à ses actes, moi, après. Ah bah là je pense que ce qui va se passer surtout c'est qu'on a intérêt à faire attention à ce qui nous suit parce que
Sa ligne de défense, je la connais déjà, hein, par contre, ça va être à mourir de rire. Hein. Oui, mais la Kuruma, je l'ai prêté, je dormais, j'en sais rien. C'était mon cousin. Oui, après, c'est. Ça va être Ouais, on part en tango, capitaine, si ça ne vous dérange pas, avec l'officier 51. Tango 47, c'est code 4 sur les. Allons-en. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai fait votre message, capitaine? Oui, j'ai vu, merci. Bah, faudra plus qu'à voir au niveau du gouvernement. Pour la suite des événements. Le besoin est des... Je m'occupe du Léo. Hein. Parfait. Si, par contre, juste 21. Oui. On est d'accord que on n'avait pas l'info officielle avant que c'était la villa de Monsieur Brown. Non plus. Ah, mais là, honnêtement, je vous le dis clairement, il nous a tout donné. Hein. Oui, on est d'accord. Il nous a donné des trucs intéressants et en plus de ça, il s'est démonté tout seul. Tango 02, composé 02, 21 et 51, début 10, 41, secteur sud. Mais du coup, vous savez la villa, là? Tango 47, 10, 23 et 10, 6, opération. Ouais. Bah, c'est la villa de Monsieur Brown. Non, c'est la villa de la firme, vous voulez dire. Ah, alors, de ce qu'on a officiellement actuellement, c'est la villa de Monsieur Brown. Ce qui fait que Monsieur Brown, avec cette information-là, est placé pas du tout au même niveau. Ah bah non. Oui, non, mais. Partie, LT, oui, mais là, bon. Avec ce qu'il y a, ça le place beaucoup plus haut. Oui. Bah, faut voir la gueule des balleurs déjà. Je suis pas sûr que ça coûte combien. Non, un balleur, ça coûte même pas 100 000. Ah ouais? Il y en a déjà un qui était au poste. Ah ouais, ok. Et donc du coup, oui, pour Monsieur Zander, le fait que Sakuruma soit sur une fusillade, bah c'est peut-être son pote et il n'a pas pris le temps de se renseigner. Bon, ça doit pas trop l'inquiéter que son véhicule soit sur une fusillade qui a amené à la mort d'une de ses connaissances. S'il est même pas venu leur demander, c'est que... Oui, donc voilà. D'ailleurs, capitaine, je sais pas si vous avez reçu la même lettre d'affectation que moi. J'ai reçu une lettre d'affectation là d'un mec qui devrait arriver dans les prochains jours pour le côté scientifique. Ça vous parle? Vous êtes sûr? Ah si. Ouais. Si. Disais bien que si je l'ai sur mon bureau, c'est pas logique que vous l'ayez pas quoi. Oh, c'est normal. Un formateur ou un agent à part? Un agent à part qui fera formation et tout. Oui, donc il sera comme nous tous machin, mais en plus il s'occupera des formations. Ah non, ce sera pas un agent de terrain. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, et lui, son job, ça sera vraiment de s'occuper que de l'aspect scientifique, de préparer les formations et de nous apprendre à faire en sorte de figer une scène de crime. Ouais, pour que les. Correct, oui, c'est ça. Des vraies procédures. Du coup, ça deviendra une accréditation? Oui. Ouais. Ok. On sera peu à la foire, je pense. Oui. Je pense qu'on sera à 7, voire 8. Pas plus. C'est déjà beaucoup, hein? Oui, en soi, c'est pas mal. ...69 et 09, ils sont à l'hôpital. Bah, je vous dirai comme d'habitude. Ouais, mais j'en ai marre. Oh, putain, ça me fait penser, fallait que j'envoie un mail à Monsieur Morel. Il va vraiment leur arriver un truc de grave un jour. Je vais vous dire une chose, hein. Je comprends toujours pas pourquoi on laisse 69 avec 09, à part laisser les laisser dans une voiture et espérer qu'ils se butent pas. Je sais pas trop ce qu'on espère. Honnêtement, je vais pas vous donner cette charge-là, ça ferait beaucoup trop. C'est vous qui voyez, hein. Moi ça me dérange pas du tout. Faut bien que quelqu'un s'y colle, de toute façon. Union de distance. C'est vrai. Non, laissons-les tranquilles pour ce soir. Ça marche. Mais là, c'est fou comment personne connaît les constitutions. Oh, c'est sacrément inquiétant. Au moins le 5, quoi, surtout pour nous. D'ailleurs, capitaine, j'ai eu des maras qui sont venus. Parce que 22, c'est permis de cracher sur leur religion. En service. En service.
sous prétexte qu'ils avaient craché sur sa religion à lui. Ce qui... Bah oui, du coup, bah, il allait s'excuser, parce qu'à un moment donné... Mais après, j'ai clairement dit, par contre, parce qu'ils ont commencé à le menacer, j'ai clairement dit que bah ils arrêtaient de menacer mes agents, sinon ça allait mal se passer. Pour menacer toujours, putain. Bah t'es En vrai, pour une fois, au moins, ils ont essayé de parler avant d'en venir aux mains. C'est oui, rare, c'est bien pour ça que j'ai fait un geste. Et j'ai rappelé, du coup, à 22, le deuxième amendement de la Constitution, celui qui respecte, qui observe la liberté de culte. Et le respect de cette dernière. Et lui rappeler que quand il est en service, il n'a pas la possibilité, il n'a pas le droit de bafouer cet amendement. Mais le deuxième amendement, c'est pas celui pour l'arme à feu ? Je sais plus, faut regarder. Je crois, hein. Bah bref, ça change rien que c'est quand même un des amendements. Oui, c'est un des amendements. Je sais plus lequel c'est, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. Donc, bah, le deuxième, ouais, c'est les armes à feu. Vérifiez, hein, je suis pas sûr. Tout le monde pense que c'est le deuxième, mais je crois que c'est pas le deuxième. Ah bah, je l'ai sous les yeux. Ok, bah c'est. Ouais. Deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Reconnaît la possibilité pour le peuple américain de constituer une milice bien organisée pour contribuer à la sécurité d'un État libre et il garantit en conséquence à tout citoyen américain le droit de détenir des armes. Bah, ça va être le premier amendement. Après, bon, ah, c'est pas... ça. Ouais, c'est voilà. Je vais pas vous mentir, les amendements je les connais, mais. Ouais, pas dans l'ordre. Le premier, ouais, c'est ça, c'est liberté de religion, d'expression, liberté de la presse ou le droit de s'assembler. Pacifiquement. Bien sûr. Toujours pas vous mentir, c'est souvent que j'inverse 1, 2, 3, 4, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, moi j'avoue que celui que je connais pas, c'est le droit. Hein. Il est utilisé tellement rarement que. Je connais parce que je discute depuis tout à l'heure, mais je vois même pas mon live. Hein. Après, j'ai mon chat. Je vois pas si ça drop. Rien. Voilà. Ah. Eh ben, je crois qu'on va 19 et que je vais aller récupérer 09. Hein. Bah, je pense, hein. Oh, j'ai pas envie de finir dans un mur, je crois que je vais conduire ce soir. J'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Je comprends pas, c'est sympa l'hôpital. Oh, non. J'ai été 3 jours de suite avec eux là, c'est bon. Grosse envie. Une soirée de répit, s'il vous plaît. J'ai passé hier ma soirée à faire des rapports, demain sera pareil. Un peu de paix. Bah, bénef. T'as vu, capitaine, que 47 est de retour? Je sais même pas si 09 il sait faire des calls sous l'humain. Oh, je l'apprends. Non, alors sous l'humain, je sais pas. On a l'humain en vigueur là? Tout à fait. Ah, la foutre, je chie dessus. C'est 03, c'est ça? 10-4. On a tellement peu de l'humain, vous allez pas lui chier dessus. Ça dépend de comment il fait son l'humain. Adam 0 10 22 Tango 02 10 26 des derniers 10 13 2 km 6 6 4 allez. Adam 02 c'est 10 4 10 97 sur les derniers 10 13 10 26 2 km 200. J'ai encore dit Adam 02 Affirmatif. Je suis vraiment un connard. Vous oubliez le coup. Union 2 10 26 1 km 9. Mais. C'est 10 4 allez. Ah oui, 77 c'est vrai. Tango 87, 26, 20 km 2. Non mais... C'est 10-4, allez-y. Bah non. On y va tous. Allez. Union 2 pour Lima, vous pouvez 19 la dernière 30 minutes, c'est Lima, c'est 10-4, allez-y. Ouais, il vient de me hurler dans les oreilles, je le déteste. Il y a un véhicule qui a foncé à plein de balles, là. 2. 10-43, non? Tango 02, 1043, 2 véhicules bleus, une Primo et une Torino, quelque chose comme ça, qui roulait à très grande vitesse en direction des 10-13.
plus la moto de tout à l'heure. Sortez vos lanternes, les zouzous. Bah moi ça marche pas, donc je vous laisse faire, hein. Je suis officier. Donc je vous laisse la dans lanterne, la coutille, pour le moment. Sécuriser 47 et tout. Les clés sur le toit, pardon, et les mets en évidence. On peut vous aider? Pourquoi ils veulent vous fouiller là? On peut vous aider? Ouais, ouais. En quoi? Bah, on vient peut-être, malheureusement, nous vient de se faire canarder, pour le savoir. Bah, justement, on est là pour ça, hein. On est là pour savoir, nous aussi. Vous devez laisser faire notre boulot, ce serait parfait. Je sais pas, j'ai eu mal de gorge aussi, donc il est 16h. Bonsoir, est-ce que le monsieur à moto peut se diriger vers le convoi de police là-bas, s'il vous plaît? Je vous remercie. Oh, il se passe quoi, qui là? Capitaine, j'ai rien. Quoi? J'ai rien du tout. Pareil. Ça me frustre, capitaine. Ah, peut-être que... peut-être qu'il est resté dans le corps du marin. Y'en a un qui est blessé? Vous avez trouvé des trucs? Ouais, pour le moment, rien. Si vous voulez regarder un peu plus en détail, il faut élargir le périmètre. Ouais, ça marche. Mais respect en passant. Ouais. Mais respect, capitaine. Les allers-retours. Mamacita, mamacita, qui est bon? Par contre, le demi-tour sur l'autoroute. Pas sur l'autoroute. Deux fois de suite, quand même, devant mes yeux. Tu peux te mettre à la lumière, s'il te plaît, c'est pas grave. Vous m'éclairez de vos lumières. Qu'est-ce que fout ce béret sur votre tête? 47? Tu as une casquette? Non. C'est pas réglementaire. Ça va, 22. Super. Casquette. S'il vous plaît, messieurs, on est sur un bonnet à la lumière. C'est une avis, ça fait du slip là. Vous allez bien? Quel bâtard celui-là! Bah super! Marie hein, est de début 47. C'est carrément pas de toi que je parle. Ah, vous parlez du mec dans sa primo là? Ouais, ouais. Bâtard. Gros bâtard, ouais. Clairement. Clairement, je pense qu'il faut aller regarder sur le pont aussi. Sur le pont? Okay. Ouais, ouais. Enfin, on passe à la supérette d'abord ou... On est déjà gens sur le pont, non? Il n'y a personne sur le pont. Bah, ah, si. Ah, c'est normal. Mais ce qui me semble. Je ne sais pas, sur le grège. Ok. Oh, on va se faire faucher. Sort. Je voulais savoir pourquoi ils sont arrêtés là-bas. Ouais, on leur pose des questions, vous inquiétez pas. Ils sont pas arrêtés. 03, on a trouvé les preuves de du 13. Vas-y, remonte là-bas tranquille. De 26-4. Les 03 les a ramassés, c'est bon. J'ai des yeux mais pas de main, donc je les ai laissé faire. Est-ce qu'il me semble ils étaient là sur putain de truc? Attends, mais attends, descends avec moi. Ouais, ouais, doucement, ouais. Alors? Bah, ils ont trouvé 03 à trouver des preuves, je crois. Bon, je pense qu'ils vont pas tarder à se barrer pour évacuer. Ça nous permettra de chercher un peu. Et je savais pas que les wagons ils ont changé de couleur. Hein. Pas des wagons! Il va avoir un 47 français. J'ai entendu 47, non? Oui, ouais, j'ai entendu pareil. Tango ouais. 47. Ah, Deadpool pour le code 4. Non, ouais. Je dis ma pour Tango 47. Ah, très bon.
Tango 47 à l'écoute. Est-ce que vous pouvez 10-19 et 87 récupérer 09 et partir en la dame, s'il vous plaît? Tango 47 Tango 47 19. Bon alors, du coup, ils ont dit quoi? Voilà, vous avez entendu. Mais restez, monsieur. On récupère 51, on se taille? Capitaine? Il manque 51, puis on y va. Bon, oh, il arrive. On hein. est d'accord qu'il vous a dit qu'on lui avait tiré dessus, c'est ça? Non. Oh, ok. Ok, ok. Ah, j'en ai marre, capitaine, ça y est. Oui. Oh, ben on le saura pas, jusqu'à ce qu'on les trouve en train de se foutre sur la gueule avec d'autres, hein. Ah oui. Quand t'as trouvé pas à l'hôpital. Le truc c'est que généralement ils se foutent sur la gueule au niveau de Vespucci, à côté de Gym Sud, le petit parking. Donc si jamais vous avez moyen d'aller faire un tour là-bas ou quoi que ce soit dans la soirée, mais je pense que généralement ouais, ils essaient de. En fait, les Vagos revendiquent le quartier là-bas, à Gym Sud. Et le truc c'est que les marrons ont dit, oh bah finalement c'est chez nous aussi. Donc ils se foutent. Alors qu'en fait ils ont rien compris, c'est tout chez nous. Partout c'est chez nous. Bah, le point de vente, mais genre leur territoire en fait en gros. Pas forcément dans ville ou quoi que ce soit, mais genre c'est chez eux quoi. Du coup, les Maras et les Vagos se foutent sur la gueule là-bas. Pardon, je m'avais écrasé. Sur la gueule, ils discutent. Ça va bien. Ils adorent ça en fait. Ouais, ouais, ça va, ils font chier. Je l'ai évité, il m'a tourné dessus. Bâtard. Reçu. Oh, oh ouais. Tango 02, c'est code 4, reprise 1041. Oh ouais. Je suis café là. C'est ça qu'il me faut. Après avoir vu Zandor, un café bien chargé là. Moi, j'ai ma petite satisfaction personnelle. Lui montrer à Zandor que c'est un abruti. Oui. Et lui donner raison de me dire que je suis hautain du coup. Oui. Là au moins il pourra dire que je suis hautain pour des raisons valables. En tout cas, en effet, j'ai bien des yeux en tant qu'officier. Pas de main mais des yeux. C'est déjà pas mal. Ouais, en vrai. Au début, je pensais que j'avais même pas. J'avais pas d'œil. Mais si. Bon, ça, après, si vous voulez ne plus en avoir, ça peut s'arranger également. Hein. Franchement, je pense que j'en ai besoin. Oui. Donc j'aimerais bien les garder. J'aimerais bien les garder si c'est possible pour vous. Bah en vrai c'est pas mal des yeux, hein. C'est une belle invention. Ça sert pas mal. Ouais, t'es bien bon aussi. Ouais, c'est bon aussi, hein. Petit Crosby. Oh, ils ont c'est plus Noël. Putain, ça marche pas. Je suis dégoûté. C'est plus Noël, ils ont enlevé leur merde. Ils avaient fait pousser de la beuh. Bon, on est clairement bien au courant, vous inquiétez pas. Ah ouais, vous aussi. Putain, pourtant on avait tout détruit l'autre jour. Oh, ils en ont refait pousser depuis, hein. Oh putain. Ok. Du coup, Monsieur Zandor nous a bien confirmé les identités aussi des personnes qui étaient avec lui qu'on a arrêté, mais pas l'identité de la dernière personne. Par contre, il nous a dit que cette personne est venue avec Monsieur Brown. Tout à fait. Donc là, c'est ce que je vous dis, hein. Zandor est un abruti, parce que bah globalement, il s'est mis dans la merde tout seul, il a donné toutes les infos sur... Toutes les infos qu'en fait on avait besoin pour relier encore un peu plus Monsieur Brown, parce que globalement à part le fait qu'il était affilié de bon ou près à la firme, voilà. Par contre bien sûr il n'a pas reconnu avoir déjà entendu parler de la firme, ça aurait été trop beau, bien sûr. Oui. Mais de toute façon le fait de relier la poste, il faudra le vérifier de toute façon, mais relier la possession de cette villa à Monsieur Brown, ça fait beaucoup. Ah bah oui, il a littéralement mis dans la merde Monsieur Brown, hein. Bah oui, parce que si tu possèdes la villa où il se passe toutes les merdes, bon. Le fait est que là, on va éviter d'auditionner Monsieur Brown parce que oui, globalement, non. En fait, derrière, c'est on va avoir un cadavre sur les bras. Alors, pas que ça me dérangerait vu la personne que c'est. Un cadavre, ah oui, Brown. Mais bon, c'est pas notre boulot, quoi. Non. Bon, ça va être plaisant parce que du coup, maintenant, à chaque fois que je vais aller au Benny, si c'est Zander, je lui dis non, vous êtes hautain. Et je veux pas de vous en tant que mécanicien. Oh putain. Union 2, 10-20. On va laisser. Vous on leur laisse. C'est Massé 10-4, allez. Pourquoi reconfirmer? Ça m'énerve, ça. Oui, oui, vous pouvez y aller. Ah, il l'a reconfirmé derrière? J'ai pas entendu. Ben en fait. IMS, on a des unités disponibles pour l'analyse phase. Ah. On est pas là. De ADEM 47, c'est affirmatif. Adam 47, 1097 sur les derniers kilomètres. Oh, ça fait du bien de la pluie. Union 2, GIS 23, GIS 43, plusieurs individus habillés en jaune. Pensez à notre brushing, le 51. Ah oui, c'est rien. J'ai de faire les EMS. C'est moi qui paye de toute façon.
Bonsoir. Bonsoir. Vous, là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Quoi? Vous avez un contrat, hein? Et ouais. Donc, faut me le vider le contrat là, faut arrêter de tout payer là. Moi bon, je paye tout. Ça vous fait du bénéf en plus? Bah, c'est vrai que c'est du bénéf, plus que les contrats. Hein. Non, moi je prends sur le contrat. Moi je paye tout. Ah, c'est bien, vous me faites plaisir. C'est sympa. Moi je paye tout. Je veux tout. Je veux un sandwich. Ou alors vous pouvez tout payer et ouais. Je vous donne à chacun vos trucs sur le contrat en plus. Non. Non. Je veux un sandwich, un café, du coup, on est fermé, un don. Une bonne soirée. Bah super. J'ai quatre. Trop tard, je suis parti. Alors je disais du coup un sandwich, un café et un donut s'il vous plaît. Je vais voir rapidement les OMS par contre. Ciao. Les messieurs, 41 secteur sud, 97 sur le dernier 32 des. Bonsoir. Bien que je tombe sur vous, monsieur Moral. Oui, tu sais qu'on s'était dit qu'on se verrait ce soir pour le Eagle. Oui. Du coup, ça sera pas ce soir chez un des mots de crâne qui ils sont pas très ouf. Y a pas, de toute façon, j'ai pas eu de nouvelles temps de vous. Actuel. Je me suis dit, il est sans doute occupé ou. Ouais, mais voilà. Non, mais c'est le moment de choses. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien quand même prévenir et être carré quand même là-dessus. Du coup, ça sera demain soir si vous êtes disponible. Demain soir, il n'y a pas de souci. Alors, de ce que j'ai pensé, est-ce que ça vous intéresse? Ce serait plus intéressant pour vous un jour sur deux. De toute façon, on a 5 individus ce... avec des alors, 60 confirmés. Dans la globalité, je vous dirais oui. Mm-hmm. Après, si un soir, je suis appelé pour une urgence, je pourrais pas. Hein, ça, vous connaissez, c'est comme pour vous. Hein. Ah oui. Mais globalement, sinon, oui, c'est ok. Ok. Bah, par contre, j'ai un petit commentaire à faire sur 69. T'es un con. Il vous aime beaucoup. Ah ouais? Ah bah non. Ah ouais, il me l'a dit. Ouais. J'ai l'impression que c'est de la lèche. C'est un homme. Il a réfléchi. Après, il m'a dit c'est une très belle personne. Oh. Vous savez, j'ai un mécano qui m'a dit que j'étais hautain. Donc bon, je suis plus à ça près. Ah d'accord. Mais il m'a dit que vous étiez une très belle personne et j'ai acquiescé. J'en suis rendu à un pont où les gens me traitent de tous les noms. Oui. Oh. Par Allez. Contre, 09, il mange dans un hôpital. Comment ça? Oui, il a mangé dans l'hôpital. D'accord. Alors que c'est strictement interdit. C'est marqué? Bah, oui. C'est marqué juste là. Là. Du coup, si je mange devant vous, vous allez m'en vouloir? Bah, je serai dans... obligé de vous renvoyer de l'hôpital. C'est un peu gênant. Bah, du moins, pour le moment. C'est une urgence, oui. J'allais chercher ma commande obine, mais là, pour le coup, il n'y a pas d'urgence, donc ça va. Bon, là, c'était juste pour vous prévenir, monsieur Morel, en espérant que tout va bien pour vous. Là, je parle de l'hôpital en général, pour vous aussi, madame Bride. Tout va bien pour le moment. Parce que vu que je suis quelqu'un de très hautain, je manque de politesse envers tout le monde et je chie sur tout le monde, ça se voit. Oui, c'est vrai. Ça se connaît, hein. 5 individus au minimum, et ils sont réellement au pied de Rancho. Non, je connais votre matricule, mais je parlerai plus de 95 de ce que j'ai vu niveau manque de respect. Après. Oh, ça s'en occupe 95 actuellement, vous inquiétez pas. Il est extrêmement surveillé, mais le fait est que bah, vous savez, hein, en tant que directrice, vous savez comment ça se passe. Hein. Oui, on peut pas surveiller tout le monde en même temps, c'est compliqué. C'est même pas ça, c'est qu'on peut pas virer tout le monde sans. On peut pas virer sans avoir des raisons valables. Dans les services publics, c'est compliqué. Il faut vraiment des éléments. Bah oui, je me doute bien, je sais bien. Ce qui est très faussant, je vous comprends pas. Parce que sinon, ça fait un moment qu'il serait plus là de ma part. Hein. Pour information, vous avez apparemment des agents qui négocient avec eux, les individus. Les mots sont dits. Oh bah, en même temps, je le cache pas. Hein. Il le sait très bien. Hein. Il sait très bien que la prochaine fois qu'il vient dans mon bureau, c'est fini pour lui. Hein. Ah, on va peut-être le recadrer un peu. Je suis pas sûr. Dans votre bureau. Alors, vous savez, dans mon bureau, on n'y vient qu'une fois. Hein. La deuxième fois, en général, ça se passe pas bien. Ah, bah ça veut dire que la première fois, ça se passe bien. Non, ça veut dire que la première fois, c'est gros coup de pression pour vous dire maintenant on arrête le canerie, sinon je vous dis que fonce la gueule. De manière tout à fait polie, bien sûr. Là, il m'a dit aujourd'hui que vous étiez. Comment il m'a dit 69 aujourd'hui vous êtes. J'ai résumé tout ça à. Il blablate avec les méchants. Ah mince. Ça se. Je me touche le crâne, attendez. Vous êtes... merde, comment on dit? C'est 10-4. Union 2, 10-43, on a également des véhicules bleus qui correspondent aux 10-11 qu'on a procédé tout à l'heure. Vous échangez avec les personnes arrêtées, etc. Pour de 20 possibilités, c'est de faire dégager les voitures bleues du secteur. Interrogateur. Ouais, voilà. Un truc comme ça.
Je m'excuse pour avoir montré que j'allais chercher ma commande après que je reparte. Allez-y, allez-y, allez-y. Bah, on passe une bonne soirée. Rendez-vous, mais pour bonne soirée. pour brosser le sens du poil, je suis le meilleur. Hein. Non, c'est moi le meilleur. Ouais, merci. Vous savez pourquoi je suis le meilleur, 51 ah ouais, si vous avez parce que je suis plus hautain. Ah oui. Du coup, ça fait deux mois quoi. Je crois la facture. Il est où mon donut ? C'est la facture qui est. Il est où mon donut ? Ah, vous avez demandé un donut en plus, c'est vrai. Et du coup, je suis quoi moi, 21 ? Vu que je suis peu conciliant et que ma hiérarchie me déteste. Je te fais la facture. Bah. Je suis une merde. Voilà, vous êtes une merde. Ah ouais, je suis d'accord, ouais. Vous êtes d'accord avec ça, capitaine ? Ouais, moi, globalement, je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Oh, je suis ravi. C'est des merdes. Je suis vraiment une merde et vous êtes tous des têtes de nœuds. Je suis d'accord aussi. C'est 680 la facture. Eh, je vais vous le redire, mais c'est vraiment pas cher. À un moment donné, il va peut-être falloir commencer à rehausser les oui, prix. Montez hein. Vos prix, hein. C'est, non, c'est je ne montrerai pas mes prix. Si je vous dis les dividendes que je me mets par semaine, vous allez dire que c'est beaucoup. Je vais vous dire que vous c'est pas assez. Vous n'êtes pas des escrocs. C'est jamais assez. 180 hein, 000 de dividendes que j'ai. Ouais, c'est ce que je vous dis, c'est pas assez. Ouais, vous avez combien de parts? J'ai 51. Ouais, c'est clairement pas assez. Oh, quel beau chiffre. Quel non, beau ça par contre, je suis pas d'accord. C'est pas un super beau chiffre, mais bon, on fera avec. Bah non, c'est le chiffre d'une merde. Bon, on préférait 61 peut-être. Pas gentil ça. Le respect entre collègues. Non mais c'est lui qui l'a dit hein, moi je comprends ouais, justement. Il est mort. Enfin non, théoriquement c'est pas moi qui l'a dit. Si si, non. C'est monsieur. Bah oui. Bah oui. Vous approchez un peu trop près de moi là monsieur Collins par contre, ça me fait un peu peur. Hop là, sous le gilet pare-balle. Ah bah super, bah, je vois que ça dessus. Allez, on y va vite, nous. Hein. Bonne soirée, messieurs, merci. Bonne soirée. Bon courage. C'est le café qui fait ça. Je les déteste. Oh bordel. Bon, bonsoir. Je croyais qu'il y avait un rebord. Je suis abattu. Quel rebord ? Je croyais qu'il y avait un rebord, mais il n'y avait pas de rebord. Au revoir. Faites attention à vous. Oui, vous aussi. Hein. Merci. Pardon, messieurs, je vous dérange. Oh, vous en faites pas. Et où la voiture ? Voilà. Alors. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, messieurs, dames. Vous aurez pu le dire quand même que vous voulez prendre votre voiture. Bah oui, je vais prendre ma voiture, mais. Prioritaire. Vous voulez vous rendre à Rancho ? Je demandais au Lima déjà. Donc, Go 02 disponible pour des renforts sur Rancho au besoin. Ça glisse oui. Donc code 02 pour Lima. Je crois qu'il avait code 003. C'est ce que j'entends. 19. Lima à l'écoute. Besoin de renfort sur El Rancho ou c'est code 4 C'est 15, c'est code 4 pour le moment, je remercie. De Tango 02, c'est 10-4, pour après 10-41. Tu sais quoi, moi, officier un merde, pense actuellement. Qu'on va à la salle de sport. Ah, mais Carbo Italien qui m'attend donc. Tango 02, 10-26 de 900 mètres sur le dernier 10-16. On va prendre. C'est Lima de prendre des appels. Merde. Félix 4-1. Je savais pas ça. Tango 02, 10-97 sur le dernier 10-16, 10-26 700 mètres. Je crois qu'il faut hein. Oh là, ça m'insupporte, on harcèle au téléphone. Je trouve ça. Oui. Et bonsoir lieutenant. Bonsoir Sam, je crois que c'est comme ça dans les SOP. Je me permets de vous dire que la scène n'est absolument pas coquette, étant donné que les individus, il y a 5 qui sont sur qui ont tiré devant des agents de police, et bon, là ça tape juste la causette tranquillement. Eh bah précisez. LSPD 51 à l'écoute. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en radio. Précisez-le au Lima, ouais, mais reprécisez-lui parce que je pense qu'il a pas tout suivi. Ça marche. Madame 87, 2 individus qui traversent. Bah plus tard. Attendez, monsieur. Lima, allez, pour rappel, il y avait 160 sur zone avec des individus qui ont tiré dans les prisons. Ok, ok. Mais on n'est pas des voleurs de véhicules, cabron. Non, parce que juste qu'on a eu une alerte, on vient vérifier. Voilà. On va tous nous payer couloir, ok.
On l'a. Okay. Il y en a un de vous qui a forcé trop sur la portière, c'est ça? Peut-être. Moi, ouais. Ça va. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, passe une bonne soirée, bonne séance. C'est moi. Il attend bien. Attention, je chope pas un rhume. Ouais. Ouais, ouais. C'est bien, merci. Et. Ok, vous êtes monsieur? Ah oui, ok, bah on arrive au bin, je vais vous payer. A tout de suite. Monsieur Collins s'appelle Alvaro Sanchez, je connais pas le matricule mais le nom de chez nous a pas payé des consommables et ça fait une semaine. Du coup, allez au bin, je vais le payer à sa place. Non, bon, c'est pas à vous de payer, je m'en occupais. Non, c'est pas à vous de payer. Ça me dérange pas, hein. Non, je m'en occupais, mais. Ça me dérangerait pas, mais payer sa facture. Tango 02, c'est code 4 sur le dernier 16 disponible pour retour de demande de renfort. Je sais, je suis sorti de la voiture, mais j'entendais pas ce qu'il me disait. Téléphone. Il paye pas et. Oh putain, 22, merde. Entre le manquement au premier amendement suivi de. On paye pas ses factures. Non, mais je vais te payer, puis je vais lui faire des tours de poste au prorata. 1$ égale un tour de poste. J'espère qu'il n'en a pas pour trop cher. De même ouais. Pour toutes les unités, c'est code 4. Plusieurs individus disent sont confirmés, mais vu la proximité de leur barrio et la dangerosité du secteur, impossible d'agir. Je leur ai demandé de juste pas tirer pour soi, on verra si ça se passe. En quoi c'est pas impossible d'agir, on y va avec les blindés? Ah ouais? Bah ouais! Chouchou. Putain, j'ai faim. Carbouille-tahéna, hein, en rentrant là du poste. Madame 4010. C'est Sian de chez nous, ça? Ouais. Madame 4710. Ah non. Ah oui, c'est dès qu'on s'en approche qu'elles deviennent à chier les sirènes des EMS. Je suis pas sûr, les EMS, c'est pas correct. Pardon. Mais je peux chier sur leur sirène ou pas du tout? Non. D'accord. Union 2, retour en 1041, secteur sud. Tango 02, 1026 de 2 km sur le dernier deal. Ah mais j'ai dit au mec du bin qu'on arrive. Allez. Bon, va boire l'attendre. Tango 02, 1097 sur le dernier deal, 1026 2 km. Ok, bah je vous laisse faire, non, parce que moi, s'en fout de moi, je vous fie, hein. Appelez-le directement, appelez 22 directement. On va pas emmerder Lima pour juste passer un coup de téléphone, hein. Oh, ouais. Hop, je sais pas si j'ai son numéro à 22, j'espère qu'il est mis sur la nuire. Oh, il doit être mis sur la nuire. J'espère. La nuire. 22. Parfait, il est. Non, elle va au centre, c'est tout. C'est l'ancien 22, 24-05, 2022. On a repéré capitaine, il y a une moto qui nous a vu. Tango 02, 10, 23, 2010, 44. Donc on passe juste pour les faire arrêter? Oui, c'est l'idée. Tout ça est très M47, 10, 23, et... trouvez, par contre oh là là, bienvenue piétonne, hein. Très piétonne ici, hein, monsieur. En moto un peu lourd à circuler. Non. Ah merde, ok, ok, je sais pas. De Lima, c'est 10-4, allez. Je vais emmerder le Lima parce que j'ai pas son numéro, hein. Adam 87. Aucun de vous n'a le... Mais de notre gueule. Attends, je me permets, j'ai une petite pregunta en vif. Dites-nous. Sympa ton collier, Zero. T'as vu, j'ai le matériel de sport là pour mes ombres, je l'ai mis dans mon burrito, il est juste derrière, ça dérange là ou faut que je le bouge? Non, là c'est bon, c'est le parking de la salle de sport. Non, mais il est là, à droite, là, juste derrière le court de tennis, là, ouais, recule. Danima pour Tango 02. Jeraki, ça dérange ou pas? Tango 02, à l'écoute. Non, c'est bon pour ce soir. Vous pouvez 19 et 51 par avec 22 en Adam, s'il vous plaît. Ah bah parfait. Tango 02, c'est 10-4. C'est parfait. Adam 87. Comme ça, je l'emmène au bin. Vous partez avec qui? Avec 22? Ouais. Comme ça, je l'emmène au bin et il paye sa putain de facture. Oh, je vais d'abord le soulever. D'accord.
j'ai la flemme de faire des calls sous l'image de conduire. Ouais, mais en même temps, j'ai faim. Bah, manger avant de conduire. Ouais, mais c'est long. Hein. J'avais prévu des carbo italiennes si je mange trop là. J'aurais pas faim en rentrant du poste. Je crois que c'est une infraction au code de la route, non? Ouais. Non. De pas avoir ses deux mains sur le volant, c'est pas une infraction? Actuellement, non. Y'a rien dans le code de la route qui stipule ça. Ok, bah je vais bouffer au volant. Madame, j'ai 19, 10, 23, j'ai 6 PLPRH. Bah, généralement, si je fais un accident, c'est de ma faute, capitaine. Sur votre respect. 03, le numéro est toujours en vigueur. Ok, on est reparti, ça redile. Bon, ouais, c'est bizarre ça. Oh, c'est marrant, hein. Ouais, généralement, moi je me plante pas souvent, mais quand je me plante, c'est ma faute. Hein. Moi je me plante, mais c'est souvent ma faute aussi. C'est... Ah, ça c'est 47, ça je reconnais. En camion ? Oui, c'est son container. Oh putain. Ce que c'est. Il est bois, hein, même dans le camion. Ah bah c'est un russe. Hein. C'est vrai. Donc go 02 10 23 10 42. Un guardian. Ouais, c'est ça. Un guardian, ouais, c'est ça. Bon. Ah! Madame 87-14 de la Lincoln 09-19. Dites-moi, 22! Merci. On paye pas ses factures? Comment ça? Quelle facture? Aubin. Aubin? J'ai jamais été Aubin Coffee. Hein? On réglait cette histoire 51, nickel. Allez, venez avec moi, Aubin. Merci. Bah, vraiment, jamais, j'ai jamais été là. Bah, j'ai pas. Continuez comme ça, par contre, les pompes en attendant, j'aime bien. Adam 02, composé 02 et 21, 10 41, secteur sud. Adam 51, composé de 51 et 22, 10, 41, secteur sud. 69. Il est sur un trottoir là, on est d'accord? Ouais. Oh, je vais lui mettre une amende. Bonsoir, le véhicule est à vous? Bonsoir, oui, il est à moi. Vous savez pourquoi il y a un problème là? Le stationnement. Ouais. Vous savez ce qui va se passer? Ouais, je sais. Non, c'est en fait, j'ai des problèmes partout. Et du coup, j'ai un jeu de me réveiller. Ah, vous avez des maux de tête? Ouais, là c'est. Enfin, vous avez des places de parking dans l'autre sens, hein. Ouais. Place de parking juste en face, hein. C'est mieux. Ouais. Faites attention, vous allez finir trempé. Oui. Mais je déplace votre véhicule de l'autre côté. Je fais ça. Passez une bonne soirée. Merci à vous aussi. Je suis dégoûté, je peux pas l'amender, capitaine. Est-ce qu'il avait des maux de tête? Ouais. Il avait des maux de tête, il vient de se réveiller. Je vais lui mettre un 10,90 à 09, je crois. Pourquoi? Bah, dans respect du RTO. J'ai très la flemme quand même, hein. C'est trop. J'ai cette voiture là. Chester. Très moche. Mais j'aime pas l'aileron, mais. J'ai rien compris, ça a l'air d'être un call de merde. Ouais. DC Sport, ça j'ai compris. Pas j'imagine que c'est un DC Sport, puis B17, j'imagine. Mais bon. Oui, je sais, c'est pas une route pour une voiture. Non, pas vraiment. Oui, je sais que ça non plus, c'est pas une route pour une voiture.
Je suis content d'avoir couillé monsieur Zander. Ils nous ont pas invité à faire du vélo les autres abrutis là, je suis déçu. Comment je roule vite. Mais est-ce que je peux avoir un 1073 de toutes les unités LSPD s'il vous plaît? Tango 02 composé 0D21. Oh, ça poussera, c'est tout, là, 10-20 salle de sport de Vespucci. Ah ouais, Adam 51 composé de 51 et 22-10-20 au niveau des villas en Rhinos. 87-16 sport, je vais mettre en radio. Là, on bloque carrément les petites. Polyma pour 09. 21 pour Lima. Lima à l'écoute. 09 a annoncé son 17 il y a 2 minutes. Ça va, tranquille. Je vous remercie. Oui. C'est plutôt pas mal. Ouais, ouais, il y a un SUV bizarre, il se balade là, vous l'avez croisé ? Ouais, on a vu. Ah, je suis détendu là. Je me détends. Ah, je me détends, je suis calme. Il est reparti ou il est encore dans le coin? Le SUV bizarre. Ah, le SUV bizarre, il est reparti ou il est encore dans le coin? C'est ça, il est reparti par là-bas, il est au coin. Ok. Bah, n'hésitez pas à nous appeler s'il revient dans le coin. C'est ça, quand même. Tu penses, toi aussi, tu réfléchis? J'ai des petites réflexions intérieures là qui... Ouais, faut toujours se poser les bonnes questions dans la vie. Ça me met dans le doute tout ça, hein. Ouais, c'est des choses qui arrivent carrément. Ouais, hein. Vous pouvez en discuter si vous voulez. Ouais, moi je veux bien discuter avec vous de... Hmm. Ah, la barbe que j'ai pas. Vous discutez avec quoi Enfin, vous... Ouais, tu peux le faire, vas-y. Vous discutez de quoi avec... Eh ben, il est temps de... Vas-y, Fabrouillon. Capable, capitaine. Parle-moi sérieux, qu'est-ce que vous voulez? Tu discutais de qui avec qui? Avec qui? Bah, avec la chica là. Il était en train de me dire, tu fais encore tes manières, je vais le dire à mon frère, etc., etc. Ouais. Et puis il y avait la femme là qui est passée et je lui ai dit, on parlait pour le prix du permis. Elle me disait que c'était super cher. C'est hors de prix. Parce que Benti a vu que je passe mon permis, mais j'ai carrément pas les moyens. Et moi, je disais, depuis que je l'ai passé, je me sens plus bien. 21. Ouais. Je vais aller chier dans une ruelle, là. J'ai envie de chier sa mère. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, capitaine? J'en reviens. 101 pour Lima. Ouais, va chier. Ouais. Toi, du coup, tu penses à quoi, toi, là? Moi, je me gratte la barbe, c'est tout. Celle que j'ai pas, vous voyez, sur les côtés, là. Qu'est? Je me gratte la barbe que j'ai pas sur les côtés. D'accord. C'est pas la chica que tout à l'heure. Si. Regarde le quartier. Ouais. Voilà, señora. J'ai du mal, la dame 02 déjà en 44. Oh, carrément trop charmante. Si. Adam 51, 10-26 sur le dernier type de drogue. 1 km 200. Ouf. C'est 14, allez-y. Ça va, vous avez pas trop la flemme? Vous avez vraiment la flemme, tellement la flemme que vous avez même pas assis sur le banc qui est juste devant vous. Oh ouais, mais de toute façon j'ai trop la flemme moi. Ah ouais, ça se voit. Ah, ils sont stylés vos boucles d'oreilles. Ah ouais, regarde. C'est des AK-47. C'est comme l'arme que 02 m'a sorti l'autre jour. Oh, je m'étonnerais qu'il vous a sorti une arme comme ça. Ah ouais, elle était plus moderne je crois. Ouais, parce que ça c'est une AK-47 donc... Ouais, ça c'est une AK-47, lui il a sorti une M je sais pas quoi. M4. Ouais, M4. Incroyable. M4 avec un garde-main MK10. Double. Et donc vous aurez pas la même, non. Certainement pas.
Ah, vous avez encore la flemme? Si, si, moi j'ai toujours la flemme. Oh, seigneur. Ça va, on vous excuse, c'est pas grave. Comment ça me démangeait? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Madame 51, 10, 23 et 10, 24 de la boîte. Oh, j'ai vraiment envie de venir, Tortuga. On va trop travailler aujourd'hui. Bon, je crois que mon capitaine il est parti loin, je vais aller le chercher. Passe une bonne soirée. Allez-y. Au revoir. Au revoir. Comment je suis détendu là, comment ça fait trop du bien. Tu te ferais essayer, toi. Madame 51, code 4 sur les derniers tigres et un peu plus du 41 secteur. Dame 51, 10, 26 de 300 mètres sur les derniers 10 secondes. Denis Massetti 4, allez-y. Union 1, on est en 10, 23 sur zone. Dame 51, 10, 23. Il va pour tous, n'oubliez pas de mettre vos gilets. Je vous remercie. Tango 20, composé de 20 et 03 à 10,97 sur la dernière prise d'otage, 10,26, 1 km 2. Lequel est l'ami? Ils se barrent tous, c'est à mourir de rien. M'en fous, moi je viens pour. Le safari là. Ouais. Je viens pour un là. Je vais prendre celui qui avait en otage le. Voilà. Attendez. Ok. J'ai vu tout ce qui vient de se passer, donc monsieur Marcel Bleu, vous allez vite fait descendre. Oui. Allez, on y va. On vous suit. Vas-y, capitaine. Non. C'est bon. Ok, on les prend tous. Rien à faire. On pourra avoir des petits endroits sur la situation, s'il vous plaît, au. C'est 02, 10, 43, 9, 1, 3, 1, 2, 10, 10, 10, 10, 10, personne n'a pillé de jeunes, sauf que tout le monde s'est enfui. Si vous voyez un mobile, lui dominateur GVT ou sa voiture du vous interpellez les individus de complicité de prise de jeu. Union 1, c'est du 4. La dame 51 seconde poursuite sur la dame 02. C'est la primo? Tony Mask, on est sûr qu'il n'y a plus personne sur place? Ouais, ouais, je dépose mon gars à l'hôpital là, il est carrément pas bien là. On va le déposer, ouais. On va le déposer, vous inquiétez pas. Boss. Venez, monsieur.
Ça va? Non, pas du tout. Y'a quelque chose sur vous de dangereux, monsieur, ou pas? C'est mon couteau, ouais. Je vais me faire arrêter pour le quai, moi. Je vais vous prendre. C'est une unité qui sécurise l'arrestation de la dame 02. Ah ouais, carrément. Ah ouais, étage mallette et tout, tranquillo, là. Denimas, c'est 10-4. On se fait arrêter. Venez avec moi. Vous confirmez votre nom prénom, s'il vous plaît? Rico Villanueva. J'ai pas saisi votre prénom, excusez-moi. Il est inconscient, qu'est-ce que tu peux dire? Ah, bah oui, ok. J'étais pas au courant de ça, hein. Si, je suis conscient, mais je suis pas très bien, là. On va vous amener l'hôpital. Faut le mettre de l'autre côté. Ouais, je l'emmène. La voiture, on la ramène au poste ou pas? Non. Ouais, maman. Bah, y'a personne qui saura la reprendre, donc si on va la... Ah, je vous aide à monter, monsieur. Je la ramène ou pas du coup, capitaine? Ouais, ramenez-la. Ok. Madame 02 plus 2, 10, 97, EMS. On va faire un truc super simple. Vous m'entendez, monsieur? Ouais, ouais. Map pour Adam 51. J'ai tout plein de photos de vous tous en train de prendre en otage un mec, là. Donc, si vous voulez pas tous plonger pour complicité de prise d'otage, vous me dites à votre au mec qui avait le mec en otage. Tu peux être 4 ans, la dame aujourd'hui, je peux jamais, sur le là. Vous lui dites de ça. Adam 51, c'est 10-4. Comment j'en ai rien à foutre, là. Allez. T'as des photos de moi en train de faire quoi, là? D'être complice de prise d'otage. Telima, pour Adam 02, vous avez récupéré le véhicule ou non? De Adam 51, je viens d'essayer, mais le véhicule est fermé, je vais le laisser sur place. Adam 02, 10-3, 10-6 EMS. Je m'occupe de monsieur, je vous laisse avec l'autre, capitaine. Oui, de toute façon, il m'a l'air pas très loquace, mais bon. Oui, bon. Bonsoir madame Norton, je crois que monsieur a besoin d'être ausculté. Examiné, d'accord. Très bien. Dites-moi monsieur. C'est eux les vendeurs du bin. Je me suis fait fâcher. Bah voilà, vas-y, j'arrête. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Je suis pas bien. D'accord. Ah, encore vous? Ouais. Bonsoir. Ils sont partout ceux-là. Tout de beau. Ouais, bonne soirée. Très fort même. D'accord, venez avec moi. Ouais. Je vous attends là, monsieur. On va faire des radios. Mais... Je crois étonnant les deux personnes qui se tiennent à l'entrée de l'hôpital. C'est juste monsieur Zander et monsieur Gessino. Non, monsieur Russell. Allez, c'est monsieur Zander aussi, hein. Le gars au chapeau. Ok, c'est la personne qui avait été pris en otage celui-là ou c'est... Non, lui, je sais pas trop. Pour le coup, tout ce que je sais, c'est qu'il est blessé. Okay. Mais je crois qu'il faisait partie des preneurs d'otages de ce que le capitaine m'a envoyé comme photo. En fait, quoi, c'est les bleus qu'on prend en otage les jaunes ou c'est... Ouais, c'est ça. C'est les bleus qu'on prend en otage les jaunes. Ouais. Ok. Après le 10-14, moi, je vais prendre un 17, donc bon. Je vous laisserai récupérer 22 à la limite. Non, oui. Oui, pas de soucis, vous inquiétez pas. Ok, ça marche. Bah, je vais prendre maintenant même. Je vous abandonne 22. Je suis désolé. Ça marche, pas de soucis. Lâche-pleutre. Bonne soirée. Ouais, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de place dans la voiture. Hein. À moins que le capitaine soit reparti au poste. Non, il est là. Bah, venez avec le capitaine pour vous occuper de la procédure dans ce cas-là. Ouais. Si ou moins de ramener le vidéo au poste. Ouais. Ouais, au pire, ouais, non. Je vais dire, on le ramène et je reviens. Je serai en ligne du coup. On va attendre, on va attendre. Je vais vous ramener. J'ai vu ton message. Oh, je peux partir tôt, faites qu'il n'y ait pas d'audition de procédure de truc là. Vous êtes pressenti pour faire une audition jusqu'à 3h du matin? Non. Non. C'est vrai? Non. Oh, merci. C'est vrai pour 21, est-ce que vous avez l'identité de deux personnes?
de 21. L'individu qui est parti voir les médecins s'appelle Rico Villanueva. Oh bah, c'est monsieur Huawei. Ah bah voyons. Moi, je vous bien avez sûr. Pas annoncé un plus 2 21 c'est 10 4, je n'ai pas l'identité de l'autre, il faut demander à 02. Oula. Bien le bonsoir. Rebonsoir monsieur Morel. Rebonsoir monsieur Morel. Qu'est-ce qui se passe? On a ramené un individu qui était en train de se faire ramener par un de ses potes qui était pas très bien. D'accord. Ok, ok. Il est avec madame Norton actuellement, on va voir ce qui se passe. Très bien. Non, je vous êtes sous la main monsieur Morel. Vous êtes médecin. Je suis devant vous, pas sous la main. Infirmier, chef infirmier. Vous avez aucune accréditation de médecine? Je vous ai jamais eu été, ça a jamais été médecin. Je n'ai jamais été médecin, mais par contre j'aide, j'aide les médecins. Vous connaissez les effets des substances narcoleptiques qui peuvent servir de d'antidouleur. Genre la morphine. Vous en connaissez les effets secondaires? Bah de la morphine, c'est plus un état consommé trop. Ça peut être dangereux pour le cœur et la plus sanguin après hein, mais c'est pas ma question. L'altération des capacités cognitives et motrices. La parole, le comment dire, tout ce qui est ce qui va être logique pour la personne ne le sera pas. Allez hop. OK. Et niveau motrice pour ça. On peut niveau... se déplacer normalement. Non non non, pas niveau motrice non plus. Ah bon. Ok. Non, ça limite, mais. Bah, c'est comme si, par exemple. Enfin, c'est pas comme. Mais, vous m'affirmez si je me trompe, mais. Du peu que j'en ai lu, c'est globalement, d'un point de vue cognitif, c'est assommant, littéralement. Hein, la personne est en quasiment complète incapacité cognitive, mais a une capacité motrice fortement réduite. Bah, comme c'est un peu moins violent côté moteur que côté cognitif. C'est ça. C'est pire qu'une personne bourrée, mais à fond, quoi. Ok, bah je vous remercie, monsieur Morel. Ça vous confirme bien ce que je pensais. Ok. Oh, oui, c'est ce que j'avais vu en cherchant. De 1 km sur le dernier. Donc, parce qu'il y a un problème avec une personne qui s'était mis trop de morphine. Il y a 1,80 sur le dernier 10-20. Et qu'est-ce qui se passe? C'est sur une affaire en cours, je peux pas vous donner plus de détails pour le coup. Je comprends. Très bien. Mais globalement, dites-vous que la question n'est pas innocente. Et que si on vous demande si ça a un impact cognitif, c'est pas pour rien. Ah ouais, je vais commencer à engueuler des gens, ça veut dire. Ok. Pourquoi ça? Attendez. Ok. Oh Pierre, si vous avez le temps, 51, prenez l'intervention pour la sécurisation. Il a juste demandé une sécurisation et comme ça après vous revenez là ou vous reprenez votre 17. Allez, venez à 22, on y va. Oubliez pas de l'annoncer au Lima. Ouais, Lima, je sais grave ce que c'est en plus. Quoi? Adam 51, Lima, 1,5 km pour sécurisation. Lima, c'est. Lima, c'est... Ah non, c'est le nombre de personnes dans une voiture. Non, ça, Lima, c'est le dispatcher. Oh, bah, super, j'ai tout faux, allez. Bien tenté. Oh là là. Mais c'est. Oh, ça va... Non, mais de toute façon, c'est pas la peine que je pose des questions, j'aurai pas de réponse. Par rapport à ces histoires de morphine? Oui. Bon, pour vous la faire courte, on a un individu qui nous a. Dit en audition que globalement il n'était pas capable de comprendre où est-ce qu'il était ou ce qu'il faisait parce qu'il était sous morphine. Mais par contre il était parfaitement capable d'avoir des réponses construites. Oui alors ça s'appelle être con ça. Voilà. La morphine. Voilà.
Du coup, il est probable que, alors, que monsieur le procureur demande à un médecin de témoigner sur cette affaire à un moment donné en tant que spécialiste vis-à-vis des effets de ce narcoleptique-là. D'accord. Ah oui, ok. C'est parce qu'il me semblait que le mec me prenait pour un con. Je l'ai gentiment dit qu'il me prenait pour un con, mais bon. Bah, il a répondu non. Oui, oui, bah oui. Bah, il va pas dire oui en même temps. Une fois que t'es lancé, okay. Essaye de jouer jusqu'au bout, si jamais. Non, mais il y a des gens courageux. D'ailleurs, en parlant de personnes courageuses. Oula. Il s'est clairement fait soulever par les marins, mais je peux pas le prouver. Union 1 début du 1080 sur le véhicule sportif bleu occupé deux fois les 1032 ont été effectués. Denimal, Adam 51, s'occupe de la sécurisation et vous rejoindra sur votre 1032 en tant que seconde poursuite. J'ai vu. Radio, je crois. Attention avec votre pied. Ah, vous faites de très jolies statues. Hein. De Adam 51, c'est code 4 dans la supérette seulement. La caisse semble avoir été faite. 10,97 sur les 10,32 de l'Union 1, 10,26 d'un kilomètre. Ça fait au moins un peu moins d'auditions qu'hier, quoi. Union 1 véhicule AGS. De Adam 51 pour Union 1, possible d'avoir un 1043 du véhicule. 1043 Edman Sacro bleu clair occupé deux fois. 51 c'est 10-4, on reste en 10-41 dans le secteur. Adam 51, 10-0 des individus, Adam 51, 10-19. Ouais, ouais, ouais. Vous avez vu, capitaine ? Adam 20, 97 sur le dernier cambriolage, 10-26, 1,6 km. Ouais, ouais, mais rendez-vous compte qu'on peut pas régler ce qu'on voit pas. Donc là, on vous a vu, tant pis pour vous. Ouais. Ok, on fait comme ça. Ouais, je sais que c'est vous, mais j'ai vu vos potes prennent complice. Balai, Guillermo, laisse-le parler et laisse-moi prendre le truc et balai. De comment ? Ils ont rien décidé, mais ils n'ont pas appelé la police pour signaler ce qui se passait. Ah, moi j'ai tout vu, oui. Et ils ont appelé personne, c'est pour ça que je peux confirmer. Ça a duré 10 secondes, donc du moment où votre collègue s'est fait faucher et au moment où vous l'avez pris de la voiture, ça a duré 10 secondes.
Adam Ben Dizentro, Kundis 43, il y a une Felzer dans la ruelle derrière. Je vais enfermer quelqu'un. Bah là... Ouais, le mec qui a roulé sur votre camarade, je vais le... Je sais pas encore c'est qui, mais je vais le retrouver. Ah ouais? Ok. Ouais, on va retourner. Comment? Je vous ramène monsieur, reste à l'hôpital pour la nuit? J'en sais rien, j'attends pour le moment. Ok. Bah à la limite, je vous ramène 22 au poste, il vous attend là-bas. Ouais. Bon gars, on fait ça. Madame 20, on parle de 4 fois une fois j'ai effectué 10-32. Quand même tout, capitaine. J'essaie de proposer un accord... C'est devenu très rigolo. Ouais, ouais, je connais l'histoire. Ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds. C'est ce qui me fait beaucoup rire, capitaine. Dites-moi. C'est qu'on était plein. Et par contre, là. Il se passait rien. On est moins. Ça part dans tous les sens. Comme d'hab. Après, on va nous dire. Le mec qui est arrivé en short, là. Ouais. Ouais, il fait partie clairement de ce qui s'est passé, mais globalement, je peux pas le prouver. C'est celui, je pense que c'est lui qui a renversé un des Marabunta. Comme je vous ai dit, capitaine, sans preuve, pour rien faire. Ah, mais moi, je. En avant, là, je t'ai ton 1097 sur la maison Mirror Park. J'ai pas les photos de l'accident, mais je sais que c'est le conducteur du body qui s'est fait choper. Faut me confirmer, hein, monsieur. Je confirme rien du tout, j'en sais rien, j'étais de l'autre côté de la rue quand ça s'est passé. L'hombre qui s'est fait attraper là, qui s'est fait menacer en otage, il était dans le body, est-ce que c'est le conducteur? J'en sais rien du tout. Bonne soirée, stay safe. Madame, en 98 sur ton noir occupé deux fois, j'ai effectué 10-32. De Lima pour tous, autodispatch en vigueur. De Lima pour tous, autodispatch en vigueur. Union disquette. Excusez-moi. Bah, ça va mieux? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous, conducteur d'un Lispody jaune, vous avez foncé sur un individu habillé de bleu au niveau de la salle de sport de Lispody? C'est pas moi qui conduisais, donc. C'est pas vous? Voilà. Ah non, c'était pas moi. C'est qui? Pas lui, c'était un hermano de Barrio, ça, mais c'était pas lui. Mais ça, je peux vous l'assurer. Dites-moi, c'était qui un peu? Je sais pas si le nom va vous dire, mais. Dites-moi dans le doute. Tortas la menace. Tortas la menace. Ah peut-être, mais j'en sais rien, mais c'est son surnom, il connaît pas son nom. Ah nous on le connaît bien son okay. nom. Est-ce c'est Tortas la menace. Est-ce que vous pouvez lui demander de passer au poste, que je lui pose deux trois questions vite fait? Ah mais un peu, je sais qu'il a des problèmes de cerveau ce soir, enfin ouais, il a très mal. Quand je suis arrivé sur zone, il était clairement en train de faire des gros mots de crâne, capitaine. Très bien monsieur, il est à vous. Ouais. Bon ça va, il est pas mort? S'il était mort, il serait à côté de moi. Son pronostic n'est pas engagé, ça va? Non, s'il était mort, il serait pas debout. Et il arrive aussi à écrire. Ça me rassure. Vous soyez étonné, hein, par contre, monsieur Morel. Hein. D'avoir 10-0 des individus direction moi, sud au niveau de la marina. C'est que votre voiture est toujours pas en route par les citoyens. Quoi. C'est l'aura, ça. Monsieur Morel, est-ce que vous m'autorisez à me servir de ce dont on a discuté tout à l'heure, en sachant que je l'ai enregistré ou pas du tout? Vous pouvez. Merci. Passez une bonne soirée, du coup, monsieur Morel. Et vous aussi, madame Norton. Vous venez avec Merci, nous, monsieur. Bonne soirée. C'est. Devoir vous repalper vu que vous sortez de l'hôpital. C'est. Vu que je suis pas un chien et que vous êtes comporté correctement, je ne vais pas vous menoter. Tiens, mais de toute manière, tout c'est ce qui est sans l'arme. Ah, d'accord. Oui, non, mais c'est vérifié que vous n'avez pas pris un scalpel ou quoi que ce soit. Je vais vous aider à monter dans le véhicule.
porte. Vous arriverez à vous attacher tout seul ou faut que je vous aide, monsieur? Il faudra tout m'aider. Il y a une main dans je vais vous passer la ceinture. C'est bon pour vous, monsieur? C'est grâce. C'est très bien à la mano. Ouais, ouais, je suis un peu sonné encore. Il y a une attaque et tout. Bon, allez. Tant que carrément tu te fais renverser par un cheval, tu vas finir à la Guardia, quoi. Ouais. Adam 02 plus 2, fin de 16, mess 19. Quand il m'a fait défense de passer Ben 0 de merde, enfin bref. Oh, t'inquiète pas. Alors, il y a trop de porter plainte. Ah, si? Ah, si vous voulez, on peut prendre votre dépôt de plainte en même temps. Oui, on peut prendre votre dépôt de plainte, mais pour le niveau procédure, il va rien se passer. J'ai très bien vu que le mec au petit vous avait renversé, il n'y a pas de soucis. Ok, ok. Je redépose quelque part, peut-être. On peut vous déposer au quartier si vous voulez. Sinon, vous déposez au quartier, c'est comme vous voulez. Bah, c'est au quartier. Allez. Adam 02 10 22. Adam 02 10, reprise 10 41. Bah, US devant, ça va. On va devoir accélérer un petit peu, ouais. Attention quand même, capitaine, monsieur Villanueva a une attelle. Peut-être éviter d'aggraver sa situation. Je pense qu'il sera heureux de récupérer sa main plutôt que de la perdre. Si, clairement. Et s'il crie, je serai. Comment? Je serai averti s'il commence à crier. C'est vrai! Oula, il se passe quoi? On va faire comme si, hein. Je vais juste faire un truc avant. Petit check-up, c'est ça? Check-up 2. Je vais juste faire sortir monsieur... monsieur Mora. Ah. Merde. Bah. Merde. Putain. Bah allez, bon, sort tous. Allez. Allez, on fait comme ça. Parfait, mettez-vous contre le cap de la voiture. Bon, le capot. Pour. Tiens, je vous rends votre couteau, monsieur. Tenez. Fais le tout tour, les couteaux. Gracias. Je vous en prie. Pourquoi, qu'est-ce que t'as, mon hermano? Lui, là? Si. J'en ai aucune espèce d'idée. Ok, ok, mais pourquoi il y a les manottes? Non, parce qu'on vous a arrêté, mais du coup... Ah, ok. Du coup, le capitaine ne veut pas donner suite, donc... Ouais. Voilà, c'est... Voilà. C'est aussi simple que ça, c'était pour les menottes. D'accord, d'accord. Nice. Vous voulez que je vous aide à... Que je vous aide à monter une fois de plus? Si, si, pour favor. Vous voulez que je vous aide? C'est trop chiant, une main, là. Si. Je passe la ceinture, je vous en prie. Vous voulez que je vous aide, vous aussi, monsieur, ou ça va aller? Ouais, ça va aller, t'as un kilo. Oh bah, tant qu'à faire, si vous voulez un coup de main, je vais filer, hein. Hop, hop, hop. Ouais. Vous savez, capitaine, vu que je suis quelqu'un de très hautain. Et qu'on est tous des têtes de nœuds. Allez, dégagez. Bon. Passez une bonne soirée. Et à plus tout à l'heure. Sortez. Bonne soirée. Vous aussi, hein, derrière vous. Allez, au revoir. Ah ouais? Ouais. Ouais. Oh, super là. Bonne soirée. Par contre, sans réfait, petit mandat au cul, ça va passer clair. Bien prévu. Adam 02 10 97 sur le dernier cambriolage, 10 26 900 mètres. Je peux qualifier la sextraction sur. La prise d'otage kidnapping, vous avez une photo où vous voyez clairement où pointer le gars à la tempe. Ça durait, 10 secondes, c'est pas une question de durée. Ouais, une question d'acte. Ah, c'était pas une supérette, c'était un... C'était my bad. Adam 02, on part en 1080 d'un véhicule sportif occupé au moins une fois. J'effectue les 10-32 globo. On a oublié 22.
quand même terrible, capitaine. Faudra trouver le mec. Faudra retrouver Tortas. Ah ouais, non, c'est pas un problème ça. Je crois qu'il a encore un bracelet. Hein. C'est... Je sais pas son nom, prénom à Tortas. Aldo Salazar. Déjà les réponses. Hein. Ah, en fait, je sais pas. Ça va le sens. Donc, peu importe que ce soit fait exprès ou non, on va vous dire non, comme d'habitude, capitaine. Ah, je sais pas, ses collègues m'ont quand même balancé le nom de leur gueule. Sans manger. N'empêche, capitaine, j'ai qu'une seule chose à dire. Moins d'unités en service, ça part dans tous les sens. Ça s'active. C'est quand même extrêmement triste. Après tout, c'est quoi? C'est la rue, hein? J'ai M. Morel qui m'a autorisé à... J'ai demandé à M. Morel l'histoire pour la morphine. Il m'a bien confirmé les effets cognitifs que ça a et que la personne ne peut pas avoir une réponse construite. Ce que, bien sûr, j'ai enregistré. J'ai demandé l'autorisation, il m'a clairement dit que je pouvais l'utiliser. Donc là, Zonder, il est dans la sauce! Oui, mais ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Le seul problème c'est qu'avec Xander, c'est qu'il y a beaucoup de cerises en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cerises sur son gâteau. Qui est en service encore là? Bah 20-03, voilà. Bizarrement. On est 4-5, ça bouge. Oh, des camions de poste de Témor! C'est fatigant, capitaine. Hein. On est 10. Ah. On fait rien. On est 5. Ah, allez, on y va. De roue. Si on coupe des deux roues, on reprend la lame. Et là, ça y est. Un jour, vous arriverez à faire sur une roue, capitaine. Une roue. Comment ça s'appelle le bordel à l'eau? Je sais pas. Un monocycle? Je sais pas. Oh, par contre, capitaine, j'ai une super idée. Je pense que la prochaine fois que... 21. Attendez. 21 à l'écoute. Toujours besoin de 10.2 sur 10.80. C'est 10.4. Union 10.87 sur le dernier 10.32, 10.26, 5 km. Je pense que la prochaine fois que 95 prend du service, je le mets en victoire avec 69. Non, parce que j'ai pas envie de saouler 87. Il me semblait qu'ils étaient comme... Comme que les chemises, ouais, c'est possible. Hein. Bah, je sais pas. Je sais pas, je m'en renseignerai. 95, il me semble que 95 à forme. Ouais, ça veut rien dire. Hein. Ah. Ils m'ont l'air bien communs sur certains.
par exemple. Notez qu'il y a 95 qui est con, mais il y a 87 il est con, mais pas méchamment. Juste il le fait pas exprès. C'est plus grave. Comment ? C'est plus ou moins grave. On a beaucoup de nos agents qui sont comme ça, capitaine. Ouais, sinon je mets 95 avec 87, 69 et 09 en victoire. Ce serait pas gentil pour 09, c'est vrai. Mais nous, on se compte. 22, bah 22, on est bon. 22. Tu la prendras. Le 2-0-2 c'est 10-4. Ils avaient shoot ça. Non, du coup, Bah, vous prenez le vote de nos agents et vous expliquez que globalement vous aspirez à la fonction de commandant pour satisfaire le besoin de vos agents, et c'est un besoin de plus de grade, enfin plus d'image que de fonction, parce que globalement derrière en fait c'est ce que vous faites déjà, donc. Juste pour les rassurer. Oui, c'est ça, c'est une histoire d'image. Je pensais pas qu'il y aurait autant de votes pour. Moi non plus. Honnêtement, capitaine, j'ai fait le message. 3 secondes après, il y avait déjà 7 votes, j'étais en mode. Ah ! Quand même, hein ! Oui, on s'en serait douté, hein. Bon, après, peu importe, à vrai dire, là, je vous avouerai, capitaine, vu que j'ai tourné le sondage de façon à ce que ce soit quand même... que les individus qui y mettent non se sentent pas coupables de mettre non, vous voyez ce que je veux dire, pour pas qu'il y ait de pression sociale ou de pression de groupe. Globalement, ça, j'en tiendrai par ailleurs à 95, c'est son choix. Je vous avouerai que j'aurais préféré quand même, mais je ne pouvais pas demander ça dans le corps exécutif, que chacun dise pourquoi. Donc, globalement, au moins, je pourrais demander à chacun pourquoi. Ah oui, quand même. Bande de putes. Que cette distance, il y a un monde où les véhicules de citoyens. Voilà! C'est déjà arrivé avec une moto, c'est à l'époque des scopes, parce qu'on avait dit. Ils avaient fait une poursuite en moto pendant, je sais pas, 20 ou 30 et demi. Ça, putain. Ça va? Oui. Il est encore devant. C'est des choses qui arrivent, typiquement. Quand même une très grande satisfaction vis-à-vis de monsieur Zander, hein.
Je pense que la nuit en cellule lui a bien fait comprendre que de toute façon il sortirait que quand il accepterait de ne pas être un connard. Comment ça, vous êtes comment sur, sur l'essence là, capitaine? Moins du quart. Ça va, on a encore le temps. Bah ouais, mais faut qu'on rentre de sans station service. Ouais, nique la police. Vous vous souvenez de ces deux énergumènes là aussi? C'est 3. Ah, c'était 3, putain, c'est vrai. 3, frère. Sale bête. Ah, vraiment, vraiment des petites merdes. Mais on a dit vive la police. Ah bon? Alors pourquoi il y a deux bodycams différentes qui entendent pas du tout la même chose? Je vous jure, je l'ai encore en travers celle-là. Hein. Vous savez, je voulais dire que je disais un truc, quelque chose, capitaine. J'ai pas eu de mot de tête de la soirée. C'est bon. Mais je sais pas comment ça se fait. D'habitude, j'en ai toujours un ou deux, là. Mais là, rien. Rien du tout. Ah, oh, ça me va, hein. Mais du coup, je me dis qu'il va falloir que j'aille faire des checks après. Le service, faudrait que je fasse des checks, voir à l'hôpital ce qu'ils en pensent. Parce que c'est assez bizarre. Entre eux, ils ont des maux de tête, hein. Wouah! Ah, super, ça vole des ambulances à l'hôpital. Hein, ça bénisse. Et du coup, capitaine, demain soir, je dois m'occuper de Monsieur Morel. Avant de prendre vraiment une grosse patrouille ou quoi, faudra que je m'occupe de la formation Eagle de Morel. Normalement, ils sont entraînés sur simulateur, donc faut que je joue avec lui les manœuvres que je lui ai montrées. Etc. Après, faudra que je fasse passer son examen de pilotage. Mais vu qu'il a failli me planter hier, je pense que je vais attendre encore une ou deux sessions. Ça pue. Ouais. Il faudra qu'on décroche, capitaine. 10-0, 5 minutes. 10-0. Ouais, 10-0, il nous donne un 10-26 de 5 minutes. Non, mais 10-0, ça existe. 10-0, c'est quoi? Oui, bah. Oui, bon, après. Peut-être qu'il voulait dire code 0, hein, mais bon. Bah, vous savez, passé minuit, je tiens plus rigueur de ce que disent les agents parce que c'est de la merde. Enfin, j'en tiens rigueur, mais globalement.
Je sais très bien que passer minuit en pleine semaine comme ça, capitaine, faut pas trop demander. Surtout avec nos effectifs actuellement. Par contre, capitaine, hein. Là, vous l'avez senti, là. Non. C'est... Vous pensez que je fais exprès Ah, c'est... Oui, d'accord, c'est qu'il n'y a plus d'essence. Ok. Bah, bon, je... Oui, bah oui. Elle est morte, c'est ça? Elle est morte. Ok, enfin, ok. Il n'y a juste plus d'essence, mais il y a un voyant. Ok, ok. Madame 02, 10, 010 individu, 10, 10, 10, 2, 10, 97, bénisse. Ça va les capitaines. Oh mais t'es pas de frein à main. Hein. Et merde. J'ai plus pas de frein à main. C'est juste là. Oh. C'est même pas moi. Je vais la pousser, capitaine. Oh non. C'est une mauvaise idée. Finalement, je vais pas la pousser, capitaine. Ouais, ouais, non, je vais la pousser. Non. Bon, du coup, capitaine, je vais en profiter pour répondre à un message sur ma tablette, je passe à l'arrière. Si c'est Monsieur Zander, je veux pas qu'il répare le véhicule. Madame 02 10 23 10 6 bénisse. Bah je reste là, capitaine. Il n'y a plus d'essence. Bonsoir. Je l'ai jamais vu ce modèle, c'est nouveau? Oui.
Capitaine ? Capitaine ? Capitaine, sur le dernier crash ATM 1026 de Capture. Non, non, vas-y, je m'occupe. Capitaine ? Ouais. Excusez-moi, j'ai eu des gros mots. J'ai eu un gros mot de gorge. J'ai essayé de qui arrive tout de suite pour vous, mais je vais juste 02, j'ai un petit rapport faux. J'arrive. Oh. Ah, j'en peux plus. Du coup, il se passe quoi là, capitaine ? Il y a un ATM et on est là. Allez, je vous fais votre petite voiture. Merci beaucoup. Par contre, elle a plus trop d'essence, ah, je crois, donc je sais pas si elle rentre. Ouais, je vais vous remettre un peu d'essence du coup. Ça marche, merci. Pas de problème. Tout à fait, capitaine, j'aurais pas dit mieux. Il nous regarde, là, capitaine. Il y a sûrement un Guillermo qui est dans le coin. On y regarde, nous aussi. Un bouffon de... Là, vous voyez la meuf à droite, là, assise ? Ouais. Bah, elle aussi, je l'ai en faute sur le... Sur la prise de... Enfin, la prise d'otage. Ouais, la prise d'otage. Adam 20, 10, 23, 10, 43 d'une sportive nord que deux fois qui part en 10, 80. Pourquoi vous me donnez ça, capitaine? J'en veux pas. Pourquoi vous me donnez ça, capitaine? J'en veux pas. Comment ça? J'en veux pas, capitaine. Tout le monde en veut. Oui, mais pas moi. Oh. Regardé, je vais donner au marin. Russell. Et bonsoir, monsieur Russell. Bonsoir, monsieur, vous allez bien ? Ça va, bonsoir. Ça va bien, merci. On s'occupe de vous, hein ? Oui, 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 on s'entend. Ouais. Hein. Ok, bah, je vais aller voir. Alors, je vois qu'il y a un peu de monde. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils veulent. Enfin, quand ils sont là, il y a toujours du monde. Oui. 0 pour 20, faire déjà 10 32 dès qu'on a fini notre okay, réveil. Bon courage. Merci. Je vous en prie. Couchez, Salouette. Couchez. Oh. Panier. C'est rigolo, ils se font des doigts. Tant mieux. Ouah, comment je suis fatigué, sa mère. Il nous a attendu toute la soirée, mais... Je comprends. Moi, ce qui me rend ce qui me trigger très très fort, c'est que tu vois, quand tout le monde a 17... Bah, on a eu 4 cambriolages, 2 braquages de supérette, un ATM. T'inquiète même pas, quoi. Ah, tout va bien, madame Norton ? Ethel est partie. Comment ? Ethel, ma chef, ma directrice. Namrid ? Oui. Probablement. Je savais que j'étais en train de faire un mail, du coup, bah, je sais pas trop. Ah, ok. Habituellement, elle se met surtout. Juste au coin là. Ah bah si elle est plus, c'est qu'elle est petite. Je suis désolé, je pourrais pas vous renseigner pour le coup. Non, elle y est pas. Ok. Ouais, c'est horrible gros. Hein. Parce qu'il y a votre collègue. On va venir nous dire oui, mais vous êtes pas assez en service. Pour ça, j'ai pas vu le sac de l'ambulance. Dites-moi, c'est à qui ? Comment ? Peu importe, vous avez besoin ? On nous est en train de se préoccuper. D'accord. 10-4 ? Ok, bon bah dans ce cas ça va être l'ambulance. L'ambulance ? Bah oui, ça tombe que ça gros, c'est un fait hein. Pour pouvoir dire oui mais ils viennent pas, du coup bah on se casse. Et vas-y qu'on récupère de la pomme gratos.
Oh oui, non, mais là, le fait est que je pense que il a bien compris qu'en fait j'en avais rien à foutre et que je pouvais garder au poste en fait. Quand je lui ai dit hier que 70% du code pénal c'était pas suffisant, il a fait le malin, il a fait le malin, mais je pense que derrière on lui a dit hein, que c'était pas suffisant. La porte du garage s'est partiellement ouverte, j'ai vu un mec faire un tout droit dans un mur avec ma voiture. Ça va bien se passer, capitaine. Oh ça vous a plu ce que je vous ai envoyé tout à l'heure, capitaine? Oh oui. L'autre qui est au polo, au poteau, il est assez bizarre. Et qui monte maintenant sur un moto. Et il a pas de casque. C'est pas obligatoire. En moto, C'est vous pas êtes sûr? obligatoire, ouais. Y a rien marqué dans le code de la route pour ça. C'est Bah honteux, bravo. mais c'est un fait. Et s'il se passe quelque chose, ça fait comment? Bah, Tant pis pour lui. voilà. Il avait qu'à mettre un casque. Justement, on doit forcer les gens à porter un casque. Mais si c'est pas écrit, ils peuvent nous dire non, je veux pas, et nous on doit dire ok. Voilà. Et après, ils vont devant les avocats et tatata, oui. Le fait est qu'en fait on peut pas aller en dehors du cadre 10-5, légal, je hein. suis encore bénisse. C'est sûr. Et C'est malheureusement, n'importe quoi des fois. on milite fortement hein, Oui, 10-4. pour que certaines choses évoluent, mais vous savez, la justice c'est quelque chose qui prend du temps pour évoluer. Je comprends, je comprends. Globalement, tant qu'il n'y a pas. Je vous dirai une chose qui est triste, hein. Mais tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va mourir parce qu'il n'aura pas de casque, il y a peu de chances que ça soit rajouté. C'est malheureux, mais le système fonctionne comme ça. Oh, t'inquiète, Et hein. encore, est-ce qu'ils écouteraient? J'ai pas dit, mais au moins on pourrait les amender. Désolé de vous déranger pour une telle conversation. Il te faut quelque chose? Oui, s'il te plaît. On va La devoir y petite aller, madame Norton, révision. passez une bonne soirée. Oui, une petite. Oui, également, Allez, fais ça. Merci. monsieur Russell? CG. CG. Bah, passez une bonne soirée, CG. Eh ben, 02 aussi, je Bon crois. courage. Merci, à plus tard. Adam 02, fin de 10-6 Bénise. 10-97 sur le 10-32 d'Adam 20, 10-26, 1 km. Bah, globalement, là, il faut que je finisse de coder correctement et proprement. Tout ce qui est multiple select, les images et tout. C'est pour les rapports. Et après, il faut que j'encode la pagination automatique. Pour éviter la surcharge sur la DB. Et une fois que j'ai ça, bah juste à copier-coller, quoi, globalement. Qu'est-ce qu'il prend là? Tu es ta chasse. Oulé, ils savent pas oulé! Je vous jure, on le connaît pas, lui. Vingt et un pour Adam 20. Madame Val, écoute. Tout va bien pour vous? Adam 02, reprise du lead, les 10-32 sont réeffectués. Bah let's go sur ce, je vais me poser et me nourrir. Bah écoute, bon app et bonne nuit et à plus tard quoi. Adam va encore va poursuivre notre vécu et ta chasse. Adam va discuter de cette ligne. Wouah. Ils ont vraiment pas peur hein. Eux? Jamais je passe sur une file de voiture comme ça, moi, trop dangereux. Wouah. Madame Venge, 23-18, réparation. Coucou. Oh, le carton. 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 On les a décoincés, capitaine.
Il doit nous remercier. Désolé, j'avais une bête sur le tape sur le pare-brise. Il a fallu que je l'enlève et que je continue sur une masse décoptique. Non, t'es dieu. Coup dur. Et même c'est fermé. Par contre, le gars en moto, je vais le soulever, je crois. Le gars en moto, il est encore là. Hein, avec celui qui est sorti du Benzi avec son masque chelou et tout. Là. C'est toi la peine des rôles, là. Oh. Qu'est-ce que je déteste. C'est vraiment, c'est... Oh, les maux de tête. Oh. Par contre, capitaine, faut vraiment. Oh, bah, il a encore la moto, hein. Non, c'est pas la même, autant pour moi, Madame Skyler. Madame Skyler, elle est bien. Si tous les criminels pouvaient être comme elle. C'est qui Skyler ? Madame Skyler, Tilly. Ah. Tilly Skyler. Enfin, elle est bien, elle a des cheveux blonds, mais on la reconnaît. Je propose au gouvernement une loi comme ça. Si vous êtes arrêté une fois que vous avez un casier, vous êtes obligé d'avoir les cheveux teints en rose. La ville aura les cheveux teints en rose, je pense. Ouais. Ça mettra un peu de couleur. Ou sinon, plus l'autorisation de se balader avec des vêtements propres, obligé de se balader avec des tenues de bagnard. Ça serait bien aussi. De bagnard, ouais, vous savez, les tenues de prison, quoi. Au moins, comme ça, on gagnerait du temps. On stop les véhicules, on se met sur le bas-côté, oh, s'il vous plaît. Oh. Quoi, ça, capitaine? Une imitation de vin? Du véhicule, je vous mettrai par peigne. Je pense que c'est le bon moment, capitaine. You are finished, dickhead. Stop. C'était le bon moment. Ouah. Putain de camion de poste de tes morts. Il a essayé encore un capitaine, vous avez pas vu, mais il a freiné vraiment que quand on était devant lui, hein. Je pense que c'est des gars de la firme. Je vois que ça comme explication. Je pense que ça doit avoir des agents de
Par contre, capitaine, j'ai entendu quelque chose de très intéressant tout à l'heure à l'hôpital. J'ai entendu Monsieur Gélétineau ainsi que Monsieur Russell et Monsieur Zander discuter et Monsieur Russell est en train de dire à Monsieur Gélétineau que Monsieur Collins et l'autre qui était avec lui travaillaient au Bénin. Et après qu'il fallait qu'ils aillent discuter. Je trouvais ça assez intéressant. Peut-être un début de truc à graille. Et par un début de truc à graille, j'entends une piste, hein, bien sûr. Sachant qu'il y a déjà M. Collins qui nous avait dit que, bah, typiquement, la drogue qu'il avait sur lui, c'est des mecs qui lui avaient donné. Ouais, ouais, c'est ça. Peut-être leur expliquer de drift comme ça sert pas à grand chose. Oui, c'est joli, mais ça ne sert qu'à ça. Par contre, tu vois un outil en. Ok. Tu as l'essence encore ? C'est l'électrique, la voltique. Ah oui. Vraiment, entre les camions et les camions poste, là, vraiment, on sent qu'il y a un petit peu de haine et qu'ils veulent nous buter, quoi. Il va aller payer les panneaux, moi je vous le dis, capitaine. Hein. On va les faire raquer. On va payer pour chaque panneau pété. 1 million de dollars. Bah, en vrai, vous rigolez, capitaine, mais je pense que des fois, au vu de certains qui, comment ils ont conduit, etc., c'est plus intéressant pour nous de leur retenir les infractions qui sont cumulables. Plutôt que de leur retenir le délit qu'il n'est pas, en termes d'amende. Je vais mettre la voiture de l'autre côté parce que sinon. Oh, mais il se barre en. Il se barre en agent, ouais. Je regarde, j'ai récupéré personne, je regarde, je regarde. Adap 0210-50 Delta Mike de du véhicule. Capitaine, 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 capitaine. Oui, oui.
En apesanteur. J'espère jamais dire une fois ça dans une course poursuite, mais franchement, j'ai bien aimé la course poursuite avec vous, c'était insane. Attendez, bougez pas, on va vous mettre les menottes. C'était bien la trompette. 21 menottes et l'autre, je vais prendre votre voiture. Et c'est pas drôle, j'ai eu peur. C'est cru à Disneyland Paris. Ça vous voyez que vous m'avez fait peur aussi. Oh le coup. Mais honnêtement, honnêtement, grand respect sur comment vous avez réussi à la poser. Parce que vraiment, c'est vraiment pile poil là. Et vous, votre conduite était pas mal par rapport à celle d'avant là où ils m'ont bourré dedans. Waouh. Après, ils ont peut-être pas fait exprès. Hein. Non, je pense pas qu'ils aient fait exprès. Ah bah, vu ce que tu leur as mis. Oh. Ouais. Bon, par contre, eux en moto là. Ouais, ils me font peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à l'eau avec, hein, c'est sûr. Oh. 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 Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il vous faites des trucs que j'ai jamais vu. C'est pour bien aller. Capitaine, pourquoi vous avez mis une voiture dans la baie? Oh, c'est la fourrière à côté. Il y a la police. Ah, d'accord. C'est la fourrière de Nemo. Vous approchez pas trop loin du bord, hein. Allez pas refaire trompette, hein. Oui. Surtout avec la menotte, là, on risque de se noyer. Je sauterai vous sauver, vous inquiétez pas. Ah, c'est gentil. Vous connaissez le principe, l'un après l'autre, devant le capot du véhicule. Bon, j'y vais en premier. Oh. Quelque chose de dangereux à déclarer? Une batte dans mon sac, quoi. Il s'est passé quoi? Vous avez tapé le rebord et ça vous a éjecté de l'autre côté, c'est ça? Mais en fait, pour moi, j'ai pas tapé, j'ai frotté, j'ai rebondi dessus, mais... tout ça. Et puis tout à l'heure, je vois que je prends des poubelles, etc. Alors que pas du tout. Ouais, vous aviez des gros maux de tête. Je vais vous palper, monsieur Collins. Pour moi, j'ai juste fait une gaffe. Ouais. On a juste de vous mettre dans le capot du véhicule. Je rentre. Bah oui, quand on était en ville, près de Vigny, juste avant de venir ici, j'ai vraiment eu très très mal la tête, j'ai ralenti très très fort. Il y a quelque chose de dangereux sur vous, monsieur Collins? Oui. Dites-moi quoi? Oui. Oui, vous avez quoi de dangereux sur vous? Oh, putain, j'ai pas entendu la preuve. Ah. J'ai une boîte de baseball qui se trouve en fond. Je vous la rendrai à la fin de la procédure. Je vais vous la prendre en attendant. Hop. Top, je vous amène à l'arrière du véhicule. En même temps, je vais ranger ça. Faut le mettre de l'autre côté. Ah, bah ça tombe bien. Ça me fait passer par le coffre. Hop, je vais vous aider à monter, monsieur Collins. Merci. Je vais vous aider à vous attacher également. Je vais fermer cette porte. Putain, j'ai dit au mécano de laisser un peu plus les boulons pour pas que les portes elles se barrent en couille, mais c'est encore pire quoi. Attends, on peut plus les fermer. Oui, oui. Madame 02 plus 2, 10, 19. Hop, on va ouvrir son petit bloc-notes des droits Miranda, parce que bah, je t'avouerai que je les ai oubliés à force de rien de jamais les dire. Voilà. Attends, elle roule bien la petite Voltic, hein. J'aime bien aimé. Ah, par contre, accélération, pas mal, quoi. Un petit conseil, bah c'est de l'électrique, hein. Un petit conseil, hein. Les drifts, pour prendre un virage et que vous prenez un drift extrêmement large, etc., ça aucun intérêt vu que vous êtes sur une électrique, vous freinez, vous reprenez. Oui, mais moi je prenais du plaisir, comme je vous dis, j'ai pris du plaisir. Ok, ok, je ne discute pas. J'ai vu que vous étiez bon, j'ai dit, bon allez, nique sa mère la fuite de la conduite. Enfin, voilà. Tout à l'heure, là, vous avez failli prendre un véhicule avant d'arriver ici. Ouais. Enfin, avant d'arriver à la... Ça va vite en ligne droite votre véhicule, là, c'est impressionnant. Adam 02 plus 2, 10, 23, 16 procédure. Ça va vite, ouais. Après, ça va pas super vite. On a des véhicules qui sont plus puissants que celui-là. Hein. Ah, bah putain, j'ai hâte de les voir. Hein, parce que si ça, ça va pas vite. Alors, vous me verrez jamais dans un de ces véhicules là. Ça va vite, mais. Il y a encore plus vite. Ah, oui, si ça va moins vite. Je m'occupe de monsieur Collins, je vous laisse, monsieur. J'ai pas votre nom, monsieur. Scofield. Scofield. Ça.
Attendez, rangez pas votre voiture, rangez pas votre voiture. Comme ça, on va s'en servir. Monsieur Collins, vous pouvez vous mettre devant le capot de ce véhicule, s'il vous plaît? Devant la voiture propre. Bah oui, oui. Oh, la moindre des choses. Vous pouvez me regarder, hein, par contre, vous avez le droit. Hein. Oui. Vous avez le droit de garder le silence si vous renoncez à ce droit. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. Avez-vous compris vos droits? Oui. Oui. Sachez qu'à n'importe quel moment de la procédure, vous pourrez faire appel de vos droits. Pareil ici. Sans souci, mais écoute. Est-ce que je peux dire que je connais mes droits avant qu'on me lise mes droits, ou je suis obligé de les citer? Même si vous me disiez que vous connaissez les droits, je suis obligé de vous les citer, ça se considérerait un indice de procédure. Ouah, vous avez dit vous disiez. Excusez-moi, je suis enrhumé avec un mal de crâne. Ah, je vais pas avoir mon rapport, moi. Si. Tu peux ranger? Oui, c'est bon. Excusez-moi, 03. Je vais taper 5 000 dollars en plus sur mon... Non. Je vous demanderai d'aller là. Dans l'autre véhicule, s'il vous plaît, pour la fouille. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je vais pas vous mentir, monsieur Collins, j'ai le mépris. J'ai mal au crâne. Donc, vraiment, t'as rien qui va se sortir. Elle est raciste, cette meuf. Ouais. Ah, c'est bon. Et vous avez quelque chose d'illicite sur vous, monsieur Collins? Non, pas d'illicite, non. Après, okay. En effet, vous n'avez rien d'illicite sur vous. Tiens, toi, c'est bonsoir. Ouais, bah salut. C'est gentil, attends. Vous pouvez aller aux cellules, monsieur Collins. J'ai encore un bout de pare-buff de vos collègues. Accroché dans le dentier? Ah, c'est vous qui nous avez forcé de danser. Vous voulez rigoler, Vin? C'est vous. Bah non, c'est vous. Ils sont allés à la marina. Et ils ont voulu faire un petit tour dans la baie et ils sont mis en apesanteur. Putain. C'était magnifique. Déjà, ils ont fait les idiots à tourner 18 fois dans la station essence. Ouais, et vous avez. Ça, c'est dangereux ça. Voir, alors qu'on avait de l'argent sur nous. C'est vous qui avez braqué? Oui, bah on a des masques. Vous prenez un 17 là ou pas? Ouais, j'en sais. Hier, j'ai croisé des mecs qui faisaient Mardi Gras. Non, pas encore. Mais il faut vraiment que je vous parle. Ouais, j'emmène monsieur en cellule, on parle rapidement et puis après, il y a une intervention à aller chercher. Ouais, ouais. Venez avec moi, monsieur Collins. Bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée. C'était sur quoi l'intervention était sur quoi? Au revoir. Craquage d'ATM au niveau de la freeway. Okay, je crois que j'ai rien vu de spécial là-dessus. On a reçu un appel. Hein. Il y a un connard qui nous a balancé. Et non, je suis là ici en fait. Oh. Oh, c'est... Il y a de l'humour dans ce commissariat là. Pas dans ce PD. Moi, le seul humour que j'ai, c'est quand quelqu'un me prend pour un con en audition et que je le détruis. C'est vrai? Oh, oui. Oh, c'est pas bien de mentir en audition. Oh, bah, ça n'apporte rien. Vous changez, s'il vous plaît. Putain, ça tombe bien que vous soyez là, venez avec moi. Oui. Il y a eu un problème dans votre casier, on va refaire les photos parce que... Ça, bientôt, capitaine, ce sera plus un problème. Ah, bah voilà, des choses qui me font plaisir. Hop, je vous demande de signer le registre et d'aller en cellule rapidement. De toute façon, je crois que j'ai quasiment tout ce qu'il me faut, donc... faut juste que je réussisse avec mon collègue sur la suite. Vous n'avez pas pour longtemps à rester là, vous inquiétez pas. Dans 10 minutes, grand max, vous êtes sorti. En tout cas, j'ai rien à faire de ma vie, donc... Bah si, vous êtes patron. Oh, si, je vais aller m'acheter une voiture, vous venez avec moi? Non, je peux pas pour le coup, là. J'ai vraiment pas le temps. Je suis désolé. Vous m'excusez, j'arrive, hein. Merci. Ouais. Vous voulez qu'on parle en privé? Juste si on te revient pas, je vais parler très doucement. Mm-hmm. 69 m'a envoyé des messages dans la soirée. Ouais. Comme quoi, il avait fait de la merde, des grosses conneries et compagnie. Bref. Le truc, c'est qu'on était sur les 10-13 à... chez les Vagos. Bref. Je lui ai envoyé un message en mode « Vous êtes encore là et ça machin ?» Il me dit oui, sauf qu'il avait pris une fin de service et que j'ai pas eu le temps de choper avant. On l'a vu au niveau de l'assurance. Ouais, le truc, c'est que je l'ai croisé au bénis tout à l'heure et j'arrive, je dis « 69, venez, on va parler. » Au début, je croyais que... J'ai vraiment pas le temps pour ça, hein, je vous le dis direct. Hein. Oui. Le truc, c'est que je parlais avec lui compagnie, je dis « 69. » Il faut que vous me parliez. Je veux savoir ce que c'est, si c'est au niveau du boulot ou quoi que ce soit, même si c'est personnel. Savoir si après, quand je vous balance en patrouille ou quoi que ce soit, vous allez rassurer ou quoi que ce soit. Bref. Mm-hmm. Et il commence à dire j'ai fait des conneries. J'ai 69, j'ai commencé à perdre mon temps en fait. Je vous laisse 30 secondes et je me barre, sinon je vous convoque demain. Et là, il a commencé à me dire des trucs. Merci. Il est ami avec Monsieur Frost. D'accord. Et hier, Monsieur Frost lui a dit, comment vous savez en fait, que vous avez arrêté des mecs de la firme? Qui vous a donné l'info? Et 69 a balancé que ça va être à Frost. Bah, yes.
Je lui ai dit de m'envoyer les screenshots de son téléphone de la conversation avec Frost. Ils ont eu un rendez-vous hier à minuit et demi, je crois. Je crois que c'est ça, vers minuit et demi, il m'a dit. Et ils se sont vus. J'ai dit à 69 de faire récupérer son véhicule et de rentrer chez lui, de parler à personne, de ne surtout pas effacer les conversations qu'il avait eues à Féroce. Je vais pas vous mentir, hein. Au vu de l'importance, il va falloir faire un rapport et le notifier directement au procureur. J'en parle au capitaine juste après, hein. Je peux pas faire autrement. Oui, je sais. Et il y a de grandes chances qu'il ne fasse plus partie de nos services. C'est vraiment s'il s'en sort avec une mise à pied, ce sera vraiment parce qu'il a fait le geste de se rendre compte de son erreur et de le signaler. Hein. Le truc, c'est qu'elle a vu tous les messages qu'il m'a envoyé, compagnie. Le truc, c'est que 69 n'est pas mauvais, mais le truc, c'est qu'il sait pas ce qu'il fait en fait à moitié. Donc. Même tout à l'heure, ils étaient toutes les deux en Adam avec 09. Les Mars sont arrivés, ils ont commencé à dire ouais, 09, t'as des gros joues et tout ça, machin, tu bouffes bien la cantine et tout ça, machin, bref. Je suis arrivé sur le Mara, j'ai dit par contre, vous foutez de la gueule de mon collègue, mais vous avec vos tatouages là et vos dessins de primaire sur le torse là, faites le malin aussi. Il était là, oh, c'est pas gentil ça, machin. J'ai dit, alors, croyez que ça fait plaisir à mon collègue. J'ai chopé 69, j'ai dit, vous êtes un Adam, vous êtes son coéquipier, vous êtes son supérieur, ne vous laissez pas marcher sur les pattes en fait. Mais je pense qu'il est complètement à côté de la plaque ces derniers temps et je sais pas. Hein. Le truc, c'est que oui, il est pote avec Frost, mais oui, je l'étais aussi. Avant qu'il fasse toutes ces conneries, oui, avant mais que je sache qu'il fasse partie de la c'est pas tellement le problème d'être pote, parce que ça, vous pouvez pas deviner. C'est l'information derrière. Oui, je vais jamais rien balancer à Frost, clairement pas. Hein. Le truc, c'est que là. J'en sais rien. Je peux pas le couvrir sur ça. Il est pas méchant 69 et bizarrement de côté je l'adore. Mais sur ce genre de truc, non, c'est non, c'est non, 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 non. C'est pour ça que je lui ai dit d'entrer chez lui et qu'on verrait ça demain soir. Je veux qu'il balance tout ce qui est, qu'on fasse une audition, quoi que ce soit, et que ce soit clean. De toute façon, après j'ai ma bodycam aussi, mais bon. Bah là, Il faut que il est dans la merde, là. Ouais. Et il faut qu'on discute aussi après. Je vais partir sur l'inter. Et si vous avez fini ou quoi que ce soit, si on arrive à se voir, ça serait pas mal. Ouais, bah allez sur l'inter et puis je vais essayer de ce qu'on va essayer de se trouver un bref moment avant un 17 certainement parce que ça risque de faire Ouais. autrement comme ça malheureusement. Autorisation de partir en Lincoln. Oui, allez-y. Ok. Par contre, je veux toutes les informations, pas à la minute, mais pas loin. Oh, vous savez que je suis efficace. Oui, mais. Lincoln 20, 10, 97 sur le dernier, 10, 68, 10, 26, 1 km. Union 1 pour 20. 20 à l'écoute. On est actuellement en 10-80 sur le dernier 10-68. Serait-il possible d'avoir des 10-32 actuellement 4 individus dans le véhicule. C'est 10-4, vous avez fait la sécurisation de la supérette? Négatif, on n'a plus le temps. C'est 10-4, je fais la sécurisation, je revois aujourd'hui. C'est 10-4, merci. Comme 20, 10, 23, sécurisation. De Lincoln 20, sécurisation. 4 sur la supérette, la caisse et le coffre ont été braqués. Lincoln 20, 10, 97 sur les 10, 32, 252, 10, 26 de 200 mètres.
Lincoln 20 secondes poursuite. Vous venez avec moi, monsieur Collins? Monsieur Collins? Monsieur Collins? Ah. Ça va, monsieur Collins? Attendez, je sais. Ouais, ça va. C'est... Bizarrement, j'arrive pas à me relever. Okay. C'est mieux? Non. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez venir avec moi, c'est bon. Ah. Non, c'est juste le capitaine, là. Il m'a pris dessus. Ah. Mais très très fort. Je comprends. Ça très peu. Et ça... Ça sent très fort. Ouais. Oui, ça m'étonne pas. Je sais ça, pas c'est si les... vous sentez. Je vous ai dit, je suis enrhumé donc. Sacrément enrhumé parce que sans dire ça, il en faut vraiment. Monsieur Collins, est-ce que vous conduisiez le véhicule? Oui. Est-ce que le véhicule était volé? Oui. Ok. Tout à fait. Alors, attendez, je dois juste corriger un truc. J'ai rien à corriger en fait, c'est bon. Vous allez être amendé pour une amende de 12 500 $. Est-ce que ça vous convient? Monsieur Collins? Excusez-moi. Je vous disais, vous allez être amendé pour une... Enfin, vous allez être amendé à hauteur de 12 500 $. Étant donné que vous êtes en récidive sur le vol de véhicule. Gardez-vous, okay. Capitaine, sinon c'est vous qui prenez l'amende. Bon bah, capitaine va payer l'amende alors. Vous voulez qu'elle soit fractionnée ou vous la voulez en une seule fois? Non, allez-y une seule fois. Tenez. Je vous laisse reprendre vos affaires ainsi que signer le registre. Ok. C'est tout bon pour vous? Hop, attendez, je vais juste reprendre mon sac. Ah, je vous raccompagne, monsieur Collins. Et qui récupère sa patte, sinon il va encore venir tous les jours pour la demander. Je vais la récupérer. Elle est dans le coffre de la voiture. Je vous laisse attendre là, vous pouvez prendre un magnifique café qui vient du bin. Bah non, amenez-le, je ramène la voiture devant, je... Ok, ok. Sans vous rendre votre propre café, oui. Ouais, c'est ça, hein. Demande autorisation de pit dès possible. Permettez, quoi. 21 pour 20, vous êtes titre de poursuite. Lead. 1-10-43 de la situation, de pourquoi vous voulez un pit? Un grizzly gris occupé 4 fois qui vient de renverser un Vespa au niveau de Vinewood. Accumulé à ça, il y a une conduite dangereuse en plus. 10-4 multiple conduite à contresens. De 21 pit autorisé. Ah. De Lincoln 20, j'ai vécu qui t'achève. Normalement, un jour je vais finir par crever, moi, rouler comme un. Bah, y'a moyen, hein. Moi, dégénéré comme ça. Bah, je pense que la prochaine fois, je. Enfin, la prochaine fois. Pas bien de dire ça. Non, pas droit. Vous voulez. Ouais. Ouais, bah, imaginons qu'une fois. Voilà. Union 1 pour 20h. Matin, à l'écoute. Une voiture très lente. Je vais signer le registre. On a perdu le second pour oui. Delta Mike. De 21 c'est 15, je suis au poste pour procédure. Bah. Putain, je comprends pas, il y a 101, il y a 101 en seconde poursuite et elle autorise même pas un pit. C'est pour. C'est trop. Vous avez disparu d'un coup là. Oh. J'étais parti chercher votre batte pour vous la rendre en main propre. Ah. Tenez. Merci. Faites pas attention. J'ai pas le choix pour vous la rendre en main propre. Je dois pas, je dois y aller par contre, vous m'excuserez. Hein. Waouh! Tout ça. Capitaine, on s'est tiré dessus par un téléphone. Tout ça, t'es. Putain, vous tirez en plus devant le PDP. Allez, bonne soirée. Ouais, passez une bonne soirée. Y'a. Y'a pas de roulement donc. Union, si on va. Va à l'écoute. Tout va bien pour vous? Ah, petit choc, ça va, ça va. Je sais pas si on y va. Bah, c'est une conduite dangereuse, on va y aller. Hein. Bah, si on a des 10-32, oui. Bah, y'en a, mais normalement pas de roulement, c'est pour ça.
cas extrême. 20, 23, 16, 16, 16. Madame 02, 10, 97 sur les 10, 32, 150, 10, 23 secondes pour sur les 10, 80. Union 1 pour 02. Madame 02 à l'écoute. Merci d'avoir reposé. La mesure 2 c'est de rien et on aura effectué les 10-32. Union 1 pour Adam 02, du corps en 3 supplémentaires, on a déjà pris des individus plus fois qui ont continué. Adam 02 c'est 10-4, on va voir s'ils se comportent encore comme des... des yinches, excusez-moi du terme, et puis si c'est le cas, on recommencera. Dégage ta race, dégage. Alors là, là vous allez prendre hein, les boyaux. Hein. Ah là vous allez prendre. Hein. Hop 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 hop. Je m'occupe de lui, c'est bon, allez-y. Je vais lui faire un tour là-bas. Ah monsieur. On a vu Bandana, suppose. What? Il est de l'autre côté, ouais. Ah. Je vous le laisse. Hein. Oula! Excusez-moi. Mais putain, mais arrêtez de pousser! C'est votre prestance, j'y peux rien. Pardon. Y'a pas de mal. Ok, attends. On négocie pas, non ? Bougez pas, c'est bon. Vous mordez les barreaux là, vous avez l'habitude, non ? Faire la courte échelle là. Toi, ferme-la, toi. Comment ça ? Ferme-la. Bah, je vous permets pas. Allez-y. Je me permets. Contre le mur, dépêche-toi. J'ai pas fait exprès d'écraser le noir. Quoi ? Racisme en plus ? Il était même pas noir en plus. Ah, d'accord, bah ça. Oh merde ! Enfin, non, pas merde. Bah, ouais. Je vais vous en occuper, hein, ça, quand je pas fait exprès. Mettez sur le capot, devant le capot, s'il vous plaît, monsieur. Et oui, mais respect, oui. Il n'y a pas de problème. Sûrement. Quelque chose à déclarer qui pourrait me blesser, me piquer. J'ai un couteau, c'est bon. Un couteau, très bien. Je vous le saisis, vous sera peut-être rendu. D'accord. Carte d'identité, s'il vous plaît. Si, tiens. Merci. Bien. C'est le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous aurez pour être sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit d'avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Je vous laisse vous placer là, on va attendre. Si vous n'avez pas un avocat vous sera fourni gratuitement. Genre, chaque interrogateur peut décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits, de ne répondre aucune question, de ne faire aucune déposition. Est-ce que vous avez bien compris vos droits ? J'ai compris, je veux rien. Très bien. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Hop, on va monter dans le véhicule de police. Celui-là, là ? Ouais. Attention à la tête. Moi, madame, si vous voulez, vous allez faire le tour du véhicule pour madame. Terroriste. Raciste. Ferme ta gueule, toi. 101. Ouais, je m'en occupe. Ouais, je suis désolé. Connard. Comment ça ? Il va falloir vous faire un gros sac à merde, toi. Vous avez quelque chose ? Terroriste. Ferme ta gueule. Voilà ce que je comprends. Ferme ta gueule. Toi. Il était pas sur votre photo, capitaine, celui-là ? Si, il était sur. Ah bon, on va lui coller une complicité. Mais va te faire enculer, toi, qu'est-ce que tu me parles ? Toi, va te faire enculer. T'arrives quoi ? Trou de balle, là. Baisse d'un ton.
C'était vous le pilote ? Ouais. C'est tout, bah t'es mal à la gueule du pilote, hein. Je veux bien. Putain, fini dans le mur, crotte. Ouais. On fait ce qu'on a carrément. Bon, ça, je vous le concède. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Bon, globalement, vous allez vous calmer. Je n'ai rien à foutre quand tu me parles. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera fourni gratuitement. Durant chaque interrogatoire, vous décidez d'un Pokémon. Eh bah écoutez, on va voir avec ça, mais vu qu'on a une photo de vous en train d'être en complice sur une prise d'otage, bah vous allez prendre et vous allez partir en jugement. Mais qu'est-ce que tu me racontes, une prise d'otage encore ? Celle de la salle de sport de tout à l'heure ? Oui, bien sûr. Bah ouais, hein. Oui. Vous voulez voir la photo peut-être ? Non, j'ai pas besoin de la voir. Ouais, vous êtes au courant. Je t'ai dit, je t'écoute pas là, c'est chiant. Quoi ? Je t'écoute pas là. M'en fous. Vous pouvez pas le charger dans votre voiture si vous voulez ? Oui, on peut, sans vous inquiétez pas. Allez, venez avec moi. Suceur. Comment ça ? Encore. Voilà, voilà. Certainement pas, non, je vais continuer à vous fixer comme ça. Vous avez déjà une piste d'identité ? Jusqu'à la fin. Ah, merde. Oui, après vous. Oui. Ok, est-ce que vous avez quelque chose de dangereux à déclarer sur vous ? Ok. Alors. Globalement, monsieur s'est rendu complice d'une prise d'otage tout à l'heure. La photo, on l'a, on vous l'enverra juste après. Si vous voulez lui mettre une procédure en plus, on n'a pas réussi à la voir. Tu vois le fait ? Ouais, y'a pas de problème. Bah, du coup, ça sera de. Ouais, je veux bien la voir la photo quand même. Vous avez toujours votre téléphone sur vous là, monsieur ? Ouais. Ça vous dérange si on le sort du véhicule que je lui envoie cette photo de mort là ? Alors, je vais vous confisquer votre bas. Une photo où il est clairement complice. Non, lui est exempté, Exempté ? Ah bah, vous avez de par la contre, chance. Sa collègue là-bas ? Ah bah, celle qui prendra back d'autres. Ah bah, non, mais elle était correcte. Je veux bien voir la photo quand même, moi. Ah bah, non, vous l'aurez pas du coup. Ça vous concerne pas. Oui. Alors, pourquoi je suis exempté ? Il y a deux secondes avant, tu me dis aux autres de mettre des procédures. Parce que 02 m'a confirmé un truc et en fait, après vérification, c'est pas le cas. C'est tout. Ouais. Après, ça change rien que vous êtes un terroriste. Rien à foutre. Allez, Tifa. Ah, d'ailleurs, sans un fait de gaffe parce qu'il a la fâcheuse tendance de ronger les barreaux. Ouais, bah, il va ronger ma matraque, ça va lui faire tout drôle. Ah bon, bah, super. Allez, bonne soirée. On se connaît pas encore, ça, hein, et tout. Ouais, oh, super. Ah non, mais je pose les bases. Hein. Tu me dois ta scan 152. Vous vous remettrez à courir, pas de soucis, madame, si vous aimez ça. Oh, il y avait tout le temps courir, là. D'accord. Bon, tout va bien ? Hein ? Tout va bien ? Mmh. Elle a pas envie de nous parler, elle a pu parler. Non, à toi, pas à Louis. Pourquoi ? Parce que j'allais décider. Ça va, et toi, 21 ? Sympa. Messieurs ? Ouais. Vous déposez le suspect à Davis là ou vous l'avez-vous ? Non, à Davis. Vous pouvez me déposer là-bas vu qu'on était trois dans le pic. Parfait, merci. Merci, monte avec moi. Trop bien. Merci d'être venu en renfort. Hein. Bah de rien. Hein. Ouais, ça fait partie de notre boulot. Hein. Ouais, mais bon, juste 30 secondes avant, vous nous dites que vous êtes en 10-5 et... Bah, on est en procédure. Ouais, mais les procédures, vous savez, nous, on traîne pas de temps. Hein. Ah ouais, c'était pas obligé de venir, non ? Vous pouviez laisser en procédure. On voulait voir vos beaux yeux. Ah si, trop gentil. T'es sûr que dès qu'on est arrivé, ça s'est fini rapidement après. Hein. Trop drôle. Ah, putain, ça sent le seum dans la voiture, c'est abusé. C'est clair, ça pue de fou là. Ouais, de fou. Ah ouais. Si il vous insulte, il y a plein une amende plus forte ou pas ? Oui. Non, allez-y, mais je serais ravi de voir votre répartie. Ok. T'es sûr que je paye une amende plus forte ? Alors moi, insultez-moi pas, parce que pour le coup, ça fait deux jours que j'en prends plein la gueule, donc je me gênerai pas. Non, pas toi, 21, toi t'es gentil, toi 21 aujourd'hui. Je t'aime bien. C'est 02 qui m'énerve. Vas-y. Non, parce que je te crois pas. Je suis le temps, mon toi-là. Non, y a pas d'outrage, liberté d'expression. T'es sûr ? Oui, ça je peux vous le confirmer. Bah, va te faire foutre, 02. Pourquoi ? Va bien te faire foutre. Pourquoi ? Et te faire enculer aussi pour la même occasion. Pourquoi ? Parce que... Alors, quand il n'y a pas de raison comme ça, c'est... C'est toutes les raisons. Ok, dis-moi. Bah, il était dit. On va te faire foutre tout court, c'est tout. Ok. T'en as besoin, je crois. Non, c'est juste que vous avez bien le seum. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Ça pue. Ça sent fort dans la voiture. Hein. Très très fort. Je vais aller partir, moi.
très très fort dans la voiture. Ouais, ouais. J'invite pas le tien en coulant là pour que tu me le tasses en 152. Vraiment trop de ballon chou-fleur, lui, ça se voit. Merci, monsieur. Pas de soucis. Attendez, moi faut que je règle un truc là. Bah, il dit ça à chaque fois, lui. D'accord. Par pitié pour le mec là avec sa grosse natte de merde là, mettez-lui plus Taro parce que vraiment, il me fatigue. Mais dégage, ta gueule. J'ai rien à faire à qui ? Barre-toi. Bah j'ai rien à faire ici, si. Non, on a été appelé au renfort, techniquement je pourrais même venir vous casser les couilles et être là sur l'intervention. Bah la gueule des renforts, regardez ce que vous êtes, vous êtes où ? Bah, vous êtes au poste. Bien sûr. Bah ouais. Bien sûr. Et nous on est où ? Bah nous on va aller repartir tranquillement en faire notre vie. Ouais, bah dégage, vas-y. Bah pas tout de suite, d'abord je vais vous casser les couilles, je vous l'ai dit. Ouais. Si bah, tu veux, ouais, du temps à perdre. On peut vous le déposer à Davis, enfin à RH. Ça servira à rien. Ah ouais, non, il y a trois individus. Non, ça fait juste deux jours sans un que je me fais insulter gratuitement, donc il y a un moment donné. Mais c'est toi qui viens, qui cherche la merde, après tu te plains. Comment ça ? Si. Comment ça, je suis venu chercher la merde là ? C'est des insinuations à chaque fois. T'es arrivé, c'est toi qui as commencé à parler de barreaux. Bah en même temps c'est vrai que vous mordez les barreaux non ouais. J'ai vu sur une vidéo qui circule sur TikTok. Excusez-moi. Ah bon ? Bah ouais. Vous avez quelque chose à dire contre ça ? Non je dis rien. Bon bah voilà. Je dis plus rien, j'ai le droit de garder le silence, elle m'a dit la seigneur. Ah bah peut-être un jour vous comprendrez à garder le silence, ça vous servira. Non je peux pas. Bah c'est pas ce qui me semblait. Par contre marchez plus vite hein, vous êtes lent. Vous voulez que je vous porte ? M'appelle pas Tortuga pour rien. Vous voulez que je vous porte peut-être ? J'avais pas fait de lien. Et déjà, Van m'a porté hier, ça m'a fait carrément plaisir. Allez, hein. T'es carrément pas Van. Allez, venez avec nous, monsieur, dame. Ah bah bon courage, hein, parce qu'il est lent comme pas possible. Hein. Adios. Ouais, on se reverra. Ouais, j'en doute pas. Allons, se taille. Ah, j'avais pas fait le lien pour Tortuga, putain. Capitaine, on a un problème. Faut que je vous parle, mais faut que je parle à 20 aussi. Parce qu'on a un gros problème. 21 pour 20. Allez, écoute. Votre 10-20 Au garage. On doit passer au Bénis d'abord. Hein. Adam 02, 10-97, Bénis, puis 10-19. 10-4. Ça va à propos de quoi ? Je peux pas en parler dans la rue. On en parle dans un endroit. Pourquoi j'ai dans le seum les maras là aujourd'hui là ? Parce que j'aurais mis un coup de pression là. Je pense que c'est le pit, capitaine. C'est le quoi ? Le pit. Le pit, ouais. J'ai même pas pit. Ouais, mais celui qu'ils ont pris avant. Vous savez comment ça marche, hein ? C'est toujours ceux qui font la dernière qui prennent, hein, de toute façon. C'est pas wap, c'est pas wap. Adam 02 10 23 16 Bénise. ⅔, 21h45, ça vous va demain ? Quelle heure ? 21h30, 21h45, hein. Vers là. Alors je pense que ça va être compliqué. 22 ? Ouais, je pense plus 22h. Ok, bah 22 alors. Ok, et si je suis en retard, c'est que je suis avec un patient qui a travaillé pour vous, du coup, un certain Tom. Oui, ok, oui, c'est bon, je sais, j'ai calculé. Qu'est-ce qu'il fait, capitaine ? Je sais pas. Il se jette de la voiture, et... ok. Bah oui, on fait comme ça, mais au pire des cas, je viendrai vous chercher directement à l'hôpital, sur le toit. Oui. La joie de l'eagle. Ah. Allez, pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Bon, on fait quoi, capitaine ? Arrêtez de faire le dauphin, capitaine ! Comment ça, on fait quoi ? Bah, faut réparer le véhicule, capitaine. Bah, oui. Bah, j'attends. Qu'un mécano le fasse. Je sais pas. C'est pas mon job. Du coup, capitaine, attends, il faudra attendre demain pour mon rapport d'arrestation complet. Ok. Parce qu'en fait, mes photos, je les ai, mais je les ai pas sous la main directe. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh putain, moi, je vais faire un casier, moi, d'ailleurs. Oui, je vais m'en occuper aussi, là. Honnêtement, capitaine, vivement que je puisse utiliser vraiment le site. Hein.
Non, le casier est à jour. C'est bon, ils ont un mec qui mortibuse dans l'urbanisme, non? C'est les connards qui vont réparer ma voiture, ma voiture, ma voiture. Qui c'est les connards qui vont réparer ma voiture, ma voiture. C'est ces handicapés du BIN, ils nous font. Merci pour le follow, ça va? Oula non, je me taille de là, moi. Pourquoi? La musique, elle est pas correcte. La musique est pas correcte, capitaine, je peux pas. Ma bodycam va exploser. Macron. Putain, mais je l'entends même de là. Bah 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 bah. Bon, ça, je me fais insulter en boucle, je suis un peu fou, là. Ça va partir en coup de matraque, je crois. Bro, t'inquiète, gros. Tu l'as fait maintenant, c'est le principal. C'est grave cool, hein. Y'a rien qui force. Yeah, yeah, yeah. Je peux chanter à la place si vous voulez. Ah oui, 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 vous pouvez pour le coup, ça posera pas de problème. Finalement, vous pouvez peut-être pas, capitaine. À bon entendeur, hein, c'était pour la portière tout à l'heure, là, j'ai vu la tentative. Quelle portière? Y'a pas eu, y'a pas eu. Si, si, y'a eu. Preuve or fake. Ah, j'avais ma GoPro. Ah ouais? Et vous la mettez où, votre GoPro? Je la vois pas sur votre torse. Ah, bah, je l'ai plus, là. Eh, bonsoir, monsieur. Ces messieurs ont réglé leur dette? Oui, bien sûr. Bon bah. Sinon la voiture elle reste chez nous si ça paye pas. C'est pas faux. On aurait besoin d'un petit check-up s'il vous plaît. Ah allez je vous fais ça. Oui. Pour un map de votre part monsieur. On a pris la même voiture que vous. C'est gentil merci. C'est un peu ironique je pense de votre part. Bon, hein, aucunement. Juste les gyros, du coup. Ah ok. Oui on s'arrangera vous savez pas. Ça vous écoutez voilà, combien les custom véhicule. Voilà, c'est... non, si je vais porter plainte contre vous là, vol de véhicule. Hop, j'ai un pote. Bon, ah, custom, j'ai fait couleur et. Il y a les vitres, ouais. Donc les 10 360 là. Oh, ça va encore. Hein. Ouais, non, pas trop. Par contre, vous êtes au courant que. Attendez. Oui. Montez à l'intérieur du véhicule, s'il vous plaît. Oui. Ah non, ça va, vous êtes à la limite. C'est les plus légères, hein, pourquoi? Ouais, bah vous êtes à la limite un peu plus et techniquement vous êtes en dissimulation de visage sur la voie publique. Ah ouais? Ouais. Ah bah là, devant, on voit bien. Là, techniquement. Ouais, mais le fait est que si on peut pas vérifier de devant, bah en fait, techniquement, on peut vous faire arrêter pour demander de baisser les fenêtres, qu'il pleuve ou non. Ah. Et si vous refusez, bah c'est une fouille. Oh bah, de toute façon, on a pas de raison de refuser. Hein. Non, mais pas de raison, mais comme ça, ça au moins, vous êtes informé. Ça, c'est une voiture aussi, ça là.
Voilà. La Volta, ça, j'en ai un, beau, pas. Un beau bolide. J'en ai une, mais honnêtement, hein ouais. Ouais, c'est ça, ouais, je vous crois pas. Ah, ah si. Bah, je vous crois pas. Bah, si vous voulez, je vous la montre pas. Mets-le au poste. Bah, vous bluffez jusqu'au bout, hein, vous. C'est pas du bluff, hein. Vous savez, on gagne bien notre vie, hein. Non, mais ça va, c'est bon, on peut assumer. Vous roulez en Asbo tous les jours, c'est bon. Comment? Vous, vous roulez en Asbo Sport. Non, tout à l'heure, je suis allé maintenant acheter une Buffalo SX aussi. Yeah. Okay. Je roule avec ça. C'est une couleur, ça c'est du noir. Ça, une carbonisant, oui, c'est un noir mat. Non, c'est un noir métallisé. Ouais, c'est pas du mat. Ah ouais? Bah c'est moche. Mais... ça c'est du noir, moi, moi c'est du gris. Hein. Ça, je ouais, pour moi c'est du gris. Pour moi c'est du gris aussi. Non, c'est du noir anthracite, bon, vous comprenez pas. Ah ouais, peut-être du anthracite. Le fameux anthracite. Après le gris est la plus belle couleur. Moi je le trouve bien. Quoi. Oh putain, il pleut, capitaine! Donnez-moi votre casquette s'il vous plaît, monsieur Collins. Comment ça il pleut? Quoi? Attendez, vraiment, il pleut. Oh là là. Ah oui, oui. Ah oui, réveillez-vous, réveillez-vous, monsieur Collins. Prêtez-moi votre casquette, monsieur Collins, s'il vous plaît. Ça va défaire mon brushing. Merci beaucoup. Ouais. Joli bonnet. On dirait que vous avez 4. On dirait que vous avez perdu. Oula, ça c'est pas ma casquette ça. Vous avez si, c'est juste que j'ai mis un petit sticker dessus, c'est bénef. Vous avez de la place dans vos poches, vous. Vous aussi. Je sais pas, putain. Hop, ouais. Mon véhicule sort, je vous rends votre casquette, monsieur Connitz. Ouais, ça vous va bien en vrai. Oh, ça fait un petit air de 95. Yes. Ah, vous avez vraiment de la chance. Je vais vous arrêter pour diffamation. Toujours. Ah bah là non, là, les trucs ils vont pas. Attendez monsieur Collins, merci beaucoup. Bluetooth disconnect. Bluetooth connected. Bon, écoutez, bonne soirée à vous. Igor Valioprowski. Passez une bonne soirée. Ça veut dire quoi ça? Bonne soirée. Je sais pas. Je vous demandais si vous parliez russe. Ah, ok. Merci beaucoup, bonne soirée. Adam 02 fin de 16, 10 19. Ouah. Est-ce que c'est un 17 après capitaine? Ça dépend de ce que vous direz. Honnêtement, ce que je vais vous dire, ça va vous donner envie d'aller vous planter dans un mur. Yes. Je préfère être honnête avec vous, hein. Quand Vam en a parlé tout à l'heure, j'ai eu envie de... bah me tabasser les boules contre mon bureau. Et ensuite de me planter dans un mur. Et ensuite de brûler. C'était cool. Et ensuite de me tailler les veines. Le coup l'est déjà fait hein capitaine pour le 19. Oui oui. Adam 02 10 23 10 6 PDPRH. 21 pour 20. Écoute, partir à 20. Non. Allez, écoute. 10-22. C'est un truc que je devrais faire aux agents des fois. Vérifier juste si les filles sont là. Et leur casser les couilles. C'est surtout une technique pour les envoyer à l'hôpital. Oui. On va aller dans le bureau du capitaine, je pense, au 20. Mmh. Oui. Comme ça, vous allez pouvoir réitérer ce dont vous m'avez parlé directement au capitaine. Putain, je le sens déjà pas. J'espère que vous êtes passé aux toilettes, capitaine. Non, moi je devais faire cœur, mais tant pis. Ah bah, part en courant et... non. Oh, avec un peu de chance, ce que vous allez lui dire, ça va le décoincer. Ouais, peut-être que ça va me... Le seul problème, c'est qu'il risque de se libérer sur place, quoi. Ouais, il y a de la chance, ouais. J'espère pas pour vous. C'est pas grave, je suis enrhumé, de toute façon, capitaine. Mmh. Oh, mais même la vue, hein. Vous êtes là demain soir, hein? Oui. Vous voulez participer à la formation Eagle? J'emmène monsieur Morel. À 22h. Alors je vais vous dire oui, à part si j'ai un gros imprévu. Oui, mais ça, c'est comme pour monsieur Morel, hein. Je lui dis oui. Okay. Sauf si je dois m'occuper d'autres trucs. Hein. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, désolé, je serais bien. Ouais. 69 m'a envoyé des messages dans la soirée. Oui.
Il m'a dit, je tenais à vous prévenir que je vais m'absenter un certain temps. J'ai fait des grosses conneries dont je ne suis pas fier. En plus des accidents assez fréquents qui me facilitent pas la tâche. Donc pour éviter de vous faire d'autres bêtises, je préfère m'absenter. Du coup, j'ai demandé de sa machin blabla, vous êtes vous, de sa machin, il m'a pas répondu. Je dis, vous êtes encore là? Il me dit oui. Sauf qu'il avait pris une fin de service. Bref, on va au Bénis avec 03. Et là, je le vois assis en civil. Donc il avait pris une fin de service. Et je commence à lui parler. Je dis, ouais, 69, venez là. Parce que c'est que généralement, ben là, le Bénis, ce soir, ils ont été assez occupés, donc ça va être truc. Bref, je chope 69 dans un coin et je dis 69, dites-moi ce qui va pas. Que je puisse savoir si je peux faire quelque chose pour vous, quoi que ce soit, ou même, voilà quoi. Même si pour partir en patrouille, si rien ne va ou quoi. Bref. Et en fait, il a commencé à bégayer et genre, il a fallu au moins que je le fasse essayer de cracher pendant 5 minutes. Le truc, c'est qu'il m'a dit qu'hier, en fait, il a eu un rendez-vous avec Monsieur Frost. Aiden. Qui travaillait au Bénis, oui. Et qui est pote avec Monsieur Guettino. Oui. Ok. Le truc, c'est qu'en fait, Aiden lui a dit, mais comment ça se fait que vous avez arrêté Russell et compagnie par rapport à hier soir dans la montagne de sa machine. Et 69, comme un abruti, a dit que c'était Guiton qui nous avait filé des informations. Le truc, c'est que Frost nous a dit la dernière fois en audition qu'il était vachement pote avec Guettino, qu'il ne savait pas qui... D'autres faisaient partie de la firme. Mais j'ai peur. J'ai essayé de contacter Guiton toute la soirée, j'ai pas réussi à l'avoir. Savoir s'il avait des soucis ou quoi que ce soit, par rapport à la firme ou quoi. Mais la firme savait. Enfin, la firme. Brown, Zander et tout, ils savaient déjà que c'était Savat. Qui avait fait l'information comme qu'on était là après. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il y avait un agent qui était sur radio et qui écoutait. Ah ouais. Voilà. Ouais. Pas qu'il nous avait poucave, que c'est lui qu'il nous avait appelé. Oui. Donc, je lui ai dit de m'envoyer des screens de son dernière communication avec Monsieur Frost, ce qu'il a fait. Le truc, c'est que je lui ai dit de rentrer chez lui, de ne parler à personne, de ne pas effacer ses messages ou quoi que ce soit, sinon je vais le flinguer de toute façon, et que de toute façon, on allait lui parler demain. Et il a l'air dépité de sa machine, donc j'en ai parlé à 21. Le truc, c'est que 69, il est pas méchant, mais il est juste idiot. Donc après, ça c'est pas de mon recours, hein. Moi je vous ai dit tout ce que je savais, j'essaie de garder safe et compagnie, mais là, je... voilà. Le truc c'est que j'ai demandé à Shannon du coup, qui est la gérante de Monsieur Frost, savoir s'il avait des nouvelles de lui ou quoi que ce soit, et apparemment depuis la fusillade de dimanche, il travaille plus des masses, vu qu'il est blessé et compagnie, et même hier, elle m'a dit je l'ai croisé, mais il me parle pas, Il m'ignore même s'il me voit galérer toute seule au Bénis toute la soirée parce qu'il n'y a personne d'autre et compagnie. Il vient, il fait réparer son véhicule et se casse. Donc entre-temps, je ne sais pas si M. Frost il a pas de nouvelles par rapport au Bénis. Il n'est pas parti travailler ce soir. Donc à savoir s'il est parti discuter avec ses collègues ou pas. Ou au moins M. Guettino, qui est le seul qu'il considère comme son frère dans tout le lot et qu'il ferait tout pour l'aider, quoi. Là, ce que j'en ai dit avant tout à l'heure, c'est que va falloir prévenir le procureur, mais que s'il s'en sort avec une longue mise à pied, ce sera déjà ça, quoi. Il s'en sera très bien sorti. Oui, et il faut faire un truc pour Guiton. Oui, mais oui. Alors Guiton, là, il passe quelques jours avec des membres de sa famille, il est coupé de tout. Il doit être en sécurité. Ok. De toute façon, je lui envoie un message dès qu'il est disponible et qu'il essaye de m'appeler, quoi. Ouais. Je sais qu'il fait des conneries et compagnie, mais ça n'a jamais été vraiment méchant, quoi. 09, c'était sous la contrainte, mais là, 69 a merdé. Oui. Donc, on parle au procureur et on verra ce que le procureur fera, mais pour moi, mise à pied obligée. Faites un mail au procureur avant, dès que possible. Demain matin, ça part. Oui, voilà, dès que possible, quoi. Le fait est que du coup, capitaine, si vous êtes pas, enfin, je pense que vous l'êtes tout à fait informé, Monsieur Frost était parmi les personnes qui ont tiré sur les Vagos. Donc, oui, je sais. Il y a clairement une affiliation. Oui. Donc, oui. Lors de l'audition, on a essayé de le pousser compagnie. Il nous a dit qu'il avait juste vu des personnes masquées, mais qu'il ferait tout pour aider son frère, de ses dires, qui est Monsieur Guettino, qui a été apparemment la seule personne à l'aider quand il est arrivé en ville. Donc. Le truc, c'est que vu qu'on connaît la position de Guettino, et toutes les merdes qu'ils font, je sais pas si vraiment Aiden ment ou pas. Aiden est un idiot aussi, mais idiot complet, fini.
Et je pense que vraiment, il est parti des guillotines la dernière fois. À savoir s'il nous a menti ou pas sur le fait qu'ils connaissent toutes les identités des personnes de la firme, j'en sais rien. Mais ça change rien qu'il y ait quand même affilié de près ou de loin. Oui, il est oui, je près sais. Ou de loin, il était. Je sais, je sais. Je n'essaye pas de disculper Monsieur Frost ou 69. Non, de toute façon, la justice est là pour ça. Hein. Allez, c'est déjà passé, de toute façon, les faits sont là. Oui. Par contre. Ils ont eu rendez-vous hier soir à minuit et demi à peu près. Putain, c'est... Le truc, c'est que 69 se rend compte de ce qu'il a fait, clairement. Et comme je vous ai dit, le seul truc, c'est que le procureur va notifier comme quoi il a eu la décence de le prévenir plutôt que de s'enfoncer. Ce qui est déjà un ça, mais à mon avis, il ne fera plus partie d'un service et il ne pourra plus faire partie d'un service public avec un secret. Ouais, d'accord. Faut voir ce que le procureur en pense, mais à mon avis, il n'y aura rien d'autre. Hein. Ouais. Soit ça, soit le procureur va essayer de trouver une astuce à base de. Il va à moitié infiltrer. Dans ce cas-là, je barre 52-50 pour avoir fait des rendez-vous avec les families, etc. C'est pas pareil, capitaine, parce que là, globalement, c'est. Capitaine, là, on est quand même sur juste donner l'information et mettre en danger un civil sur une des personnes qui ont déjà tué quelqu'un. Sous vos yeux. C'est pas la même chose, capitaine! Oui, mais les familles, ils avaient fait autant. Je dis pas le contraire. Je dis juste que globalement. C'est pas le même, truc, c'est que pas le même bail, d'avoir capitaine. Des agents qui vont chercher des infos bizarrement ou très dangereusement ou qui sortent un peu des codes pour justement essayer d'avoir le maximum d'infos pour essayer d'être efficace, c'est douteux, mais ok. Là, le truc, c'est que 69, c'est très bien qu'il allait voir Monsieur Frost, puisqu'il a dit je finis mon service à telle heure hein, et que Frost lui a envoyé une position et qu'il est allé. Donc à tout moment même, il aurait pu se faire déchirer si Frost avait prévenu tous ses potes. Et sachant 69 et vu son comportement et vu sa force de caractère, on va dire, je pense que si vraiment la firme avait voulu savoir des informations et qu'il soulevait 69, c'était fini. Le Belgian, ça va ? Ça, c'est un fait, capitaine, par contre. C'est, oui, c'est pas c'est le couteau le plus aiguisé du pied du tiroir. Hein. Non, mais c'est un fait. Mais là, concrètement, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien à balancer sur la firme. Ils ont eu le truc qu'ils voulaient et la personne qu'ils voulaient est décédée. Ils demanderaient n'importe quoi, ils n'auraient plus rien. Vous êtes en train de vous rendre compte que si M. Savat, suite à ce qu'elle vient de dire 09, est exposé à un danger de mort imminent. Oui, là, oui. Ouais, c'est quand même pas rien, capitaine. Oui, je sais bien, mais ils étaient déjà au courant. Ils étaient pas au courant, capitaine, que c'est. Non, ils étaient pas au courant que ça va t'avait balancé. Pour eux. Ah oui, que ça va t'avait balancé, oui, mais. Pour eux, c'était vraiment juste qu'il y avait un flic qui était planqué sur la fréquence. Et ouais. Là, globalement, ce savate va falloir lui trouver. Il va falloir avec le procureur, mais il faut lui trouver absolument une planque et lui fournir une identité le temps d'eux. Et une protection. Sinon, monsieur Savat, on va le retrouver dans un coin avec une balle dans le crâne. Hein. Le truc, c'est qu'il faut savoir si Frost a parlé. Au-delà de l'affaire 69 et compagnie, il faut savoir si Frost a parlé. Je vais vous dire une chose. Hein. Il n'oubliera pas. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé. C'est sûr. C'est sûr. Honnêtement, je pense qu'à la minute où il a eu l'information, il a envoyé un message à ses potes. Faut qu'on aille voir ce qui se passe à l'accueil. Si jamais demain je croise Monsieur Frost, je peux lui poser la question quand même. Pas si vous... les verres du nez sans pas si vous êtes toute seule. Pas si vous êtes toute seule. Même si j'ai ma bodycam. Pas si vous êtes toute seule, c'est juste parce que j'ai pas spécialement envie de provenir une balle. Hein. Ok. Mais si je peux lui parler, j'ai autorisation. Oui, oui. Ok. Après, globalement, il vous dira rien. Et si vous dites quelque chose, ce sera probablement un mensonge. Hein. Ça reste Frost. Oui. Je veux quand même tenter le coup. Peux-vous renseigner, monsieur ? Ah oui. Scofield encore. Ah oui, c'est bon. Hein. Oui. J'aimerais bien avoir des informations. T'es non. Par rapport au type qui nous suivait tout à l'heure en moto. T'es non. Dans la poursuite. Je tiens à vous dire qu'il nous suivait encore. Ah, même... Même après. Ok. Donc on a acheté le véhicule à Oliver. Et il y a encore des motos qui nous suivent.
Je sais pas si vous avez des informations ou quoi, mais c'est quand même lourd, quoi. Pour le coup. Non, on n'a rien et on voudrait rien. Mais on n'en a pas. Très bien. Bah après, c'est bien de nous l'avoir signifié, on va acheter ouvrir un œil et oui, on va ouvrir faire. Un œil. Vous savez si des gens vous en voudraient ou. Bah, actuellement non, mais. Bah, vous n'avez pas pris en otage quelqu'un qui te fait pas. Vous avez pas mal parlé à quelqu'un ? Non plus. Ah, c'est pour ça que je viens voir, je trouve ça bizarre quand même. Quoi. Vous avez pas vendu de la drogue sur un territoire protégé ? Même pas. Un descriptif des motos qui vous suivaient ? Bah déjà pendant la CP c'était oui, pendant la CP c'est une Manchèse bleue avec un mec après, habillé en bleu. Il dit qu'il y a d'autres motos qui l'ont suivi. C'est toujours la même ou c'est d'autres? Oliver disait que c'était toujours la même mais okay. On va se renseigner monsieur. Moi j'avais vu une plus grosse cylindrée mais... On va se renseigner et puis on va voir ce qu'on on va voir si on arrive à récolter des informations et voir ce qui se passe. Nickel. Et si vous avez des moindres doutes ou quoi que ce soit, vous nous appelez. Voilà. Et vous aussi. Je vous remercie. Donc, oui. Désolé de pas pouvoir faire plus. Bonne soirée. Comment ? Désolé de pas pouvoir faire plus pour ce soir. C'est pas de souci. Bon, bonne soirée. Bon bonne soirée également. Bonne soirée, faites attention. Merci. Ça va. On a juste un flic qui a fait de la merde. J'adore dire faire attention à des criminels. Oui, mais comprenez. Après, je suis quelqu'un d'autant, du coup. Oui, bah je le dis aussi, vous inquiétez pas. Bon, il est parti faire caca, je crois. Par rapport à 50. Ouais. Est-ce que je peux avoir un brief ou pas? J'en ai pas plus que vous, hein. Ah, putain. Il faudra voir avec monsieur le procureur. Ouais, bah, monsieur le procureur, je crois qu'il va être absent dans quelques jours. Bref. Oui, le truc, c'est qu'en fait, elle est. Ouais. Dans le doute. Dans le doute, en fait, que. Ses supérieurs et ses collègues ne lui fassent plus confiance. Mmh, c'est pas le cas. Et qu'à tout moment, en fait. Genre, même là, tout à l'heure, elle m'a dit bah, 21 m'a parlé des auditions et compagnie, mais je sais pas si à tout moment, on me dit pas bah non, en fait, c'est fini. Non, c'est pas le cas. Ouais, pour le coup, parce que ça s'est bien vu sur les auditions. Hein. C'est moi, ce que je voulais, c'est la vérité, c'est rien de plus. Hein. J'ai aucun. Y a aucun souci. Bon, elle est blanchie, je m'occupe pas du reste. Hein. C'est pas mon job. Hein. Le truc, c'est que j'ai pas envie d'avoir des agents avec la moitié du cerveau qui pense à autre chose. Ah bah, je comprends, mais pour le capitaine, je peux pas répondre, c'est pas, malheureusement, c'est pas le capitaine, quoi. Mais moi, vraiment, elle est blanchie, moi, je me pose pas plus de questions. Hein. Ok. Je fais assez confiance au procureur avec les informations qui ont été transmises pour. S'il ne donne pas suite, c'est qu'il n'y a pas de preuves et qu'il probablement qu'il n'y a rien, quoi. Et honnêtement, au vu des personnes qui nous ont parlé, je vais pas vous mentir. Vous voyez le pipeau ? Oui. Bah, c'est un petit décès, voilà. C'est... Okay. 650 vous demande à vous parler demain ? Bah, si je suis dispo, oui. Hein. Okay. Et vous savez, je suis un homme très précis. Oui, je sais, vous inquiétez pas.